Allô? Allô? Oh là là, ma musique qui s'arrête comme ça. Bah très bien. Bah bonsoir, bonsoir. Alors attendez. Hop, si je fais ça, vous voyez mon Steam, normalement, c'est tout à fait normal. Salut, salut à toutes et à tous. Salut Niji, salut Acroasis, salut Rainbow, salut Alexis, salut Nicolai, salut Gaming Heroes, salut Evan Crow, salut Alexis, je l'ai déjà dit, je crois, Niji Bakurei aussi. Salut Swarmin, salut Turando, salut Tamouena, salut Bu. Bu. C'est même pas Bou, c'est Bu. Cette musique ne s'entend pas. Bon, bah écoute. Ah, si, ça y est, vous entendez. Très bien, on se met dans l'ambiance du stream, évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette musique-là pour Witcher. Alors, attendez, j'ai envoyé mon tweet. C'est bon, tout est prêt. Alors, est-ce que vous êtes prêt mentalement pour me voir galérer sur Witcher 1? Je sais pas si je vais accrocher en plus, c'est ça qui est terrible. Le 2, j'avais aimé. Mais le 1, je l'ai juste lancé et c'est vrai que ça m'a un petit peu. Un petit peu piqué les yeux. Salut Croquis de Loutre, salut Buyaman, salut Grevok, salut Geoff, salut Fire Spirit, salut Jovar, salut Buckler, un moment d'égarement qui dure depuis 15 mois, comment ça d'égarement? Merci beaucoup camarade Freders, camarade Raton, merci, des bisous, 16 mois c'est énorme, c'est très beaucoup j'allais dire. Tu ne l'as jamais fait le 1, ça fait bizarre, tu vas voir. Oui, alors en fait j'ai jamais joué au Witcher tout court, enfin si, j'ai jamais... En fait, comment vous dire, je découvre les jeux Witcher. J'ai testé juste parce qu'il y avait eu pendant les soldes de Steam, je m'étais acheté le 2. Et donc, du coup, j'ai joué 10 heures. C'est juste, j'ai joué 10 heures, quoi. Et donc, bah, 10 heures, c'est rien, quoi. Donc, je connais pas, j'ai rien vu. Même au niveau gameplay, j'avais tué genre un monstre dans le 2, quoi. C'est tout ce que j'avais fait. Donc, voilà. T'as sûrement des modes graphiques. Bah, les modes. Franchement, graphiquement, c'est pas ça qui me dérange. C'est juste que, en fait, quand j'ai lancé le jeu. Il était comme ça avec le truc au-dessus de sa tête, genre ah! J'ai jamais joué à Witcher. Ben voilà, il faut bien commencer quelque part. C'est ce que je me disais. Salut Oulkos. Ben en fait, j'ai demandé à Crane, à ton avis, je commence par lequel? J'ai envie de faire le 2 parce que je l'avais commencé et je l'aimais bien. Mais en même temps, c'est con de faire le 2 sans avoir fait le 1. Et je dis, sinon, il y a le 3 qui marche bien et qui a l'air cool et tout. Et du coup, je ne savais pas. Je ne savais pas. Spotify, c'est mieux que Deezer. Oui. Les textures se lancent en basse résolution à cause d'un bug la plupart du temps. Bon, c'est pas grave. Ah, tu veux dire j'aurais dû le patcher avant? Ouais. Je sais pas. J'avoue que j'en savais rien. Fallait me dire ça hier. J'aurais eu le temps de le faire. Il est super cool de vous best-of d'ailleurs. Ah, j'espère. Je suis contente que ça t'ait plu, Niji. Et en effet, tu me fais bien de me le faire remarquer. J'ai sorti une vidéo YouTube aujourd'hui qui est un best-of de live sur YouTube. Je sors du contenu exclusif à YouTube. Sauf des fois, bah, je fais des best-of de live, mais ça reste que c'est du contenu qui est monté, quoi. Donc, pour ceux qui ont loupé plein de lives ou ceux qui veulent... Enfin, en fait, disons, si vous avez loupé les lives et vous tombez devant le best-of, je pense que vous comprenez pas. Mais disons que c'est bien pour avoir des souvenirs pour ceux qui étaient là. Je pense que c'est plus ça l'idée. Donc si vous faites partie de ces gens-là, n'hésitez pas à aller voir. Hop, si je tape vidéo normalement. N'hésitez pas à aller voir. Hop, ma chaîne YouTube. J'ai mis le lien directement du dernier best-of. Sinon, vous l'avez dans la description pour ceux qui sont un peu perdus. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai été tourner une deuxième vidéo qui faut plus que. Enfin, il faut que je monte, quoi. J'ai été tourner un vlog aujourd'hui. C'est bien, j'étais au parc de la Tête d'Or du coup et enfin il y avait ça me donne envie d'y retourner en fait. C'est pas si loin que chez moi, je pensais que c'était assez loin de chez moi, mais au final enfin en fait, j'avais l'impression que c'était loin parce qu'il faut longer les quais et tout, mais au final en bus c'est à 20 minutes. Donc je pense que j'irai plus souvent au parc. Mais le truc c'est qu'on a aucun coin de verdure sur Lyon. Le parc de la Tête d'Or, il est juste génial, il est super grand, il est super beau, enfin c'est juste un parc superbe, mais juste te dire, tu dois faire 20 minutes de trajet en bus, 40 minutes à pied pour pouvoir y aller. Bah en fait ça tue de te dire que t'as pas de coin de verdure quoi, je sais pas. Moi je pense que j'ai besoin de campagne en ce moment. Alors attendez, je suis en train de revenir parce que je crois que j'ai loupé les messages. Salut Agnar! Witcher 3, meilleur jeu de la décennie. Bah un jour j'y arriverai. Le système de rythme pour les combats m'a gavé. Alors moi je suis nulle en rythme. Mais je me dis bon, si j'apprends ça peut y aller. Mais oui c'est vrai que ça a l'air d'être un gameplay quand même compliqué, il faut que je tape en rythme et tout. Au début j'ai cliqué, j'ai bourriné les clics, va falloir que je fasse attention à ça. Salut Loot Dissidente! Le 1 est bien, mais le début est long, il faut s'accrocher. Bon, bah on va essayer de s'accrocher. Le 1, il n'y a pas de support manette. C'est pas grave ça. J'ai prévu clavier souris de toute façon. Et merci du coup, Loutre. Ah, attendez, Loutre Dissident. En fait, merci pour le follow. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Loutre Dissidente qui était sub il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, je croyais que c'était la même personne, mais non. Toi, tu n'as pas de.
Salut Rick Chasseur. Salut Chagrou. Je pourrais te linker ce qu'il faut. Ah, merci. Vous comptez faire refaire des stream coop en Divinity? Je pense pas. Je pense que c'est la galère parce qu'en fait là il y a Monster Hunter World qui arrive. Donc Nathalie elle est prise par ça. Après Magla j'ai pas eu trop de nouvelles non plus. Je pense que là ça va être compliqué. Salut Arkichou. Je vais être clavier souris du coup. Salut Frozen Teach. Salut Mikassel. Salut Guillaume. Je vais essayer de clipper pour être comme Clémentine et récolter la gloire. Ah parfait. Ma contente que le best-of vous plaise. Et voilà. Salut Mephistos, salut Alendor, faut faire un best-of de la soirée ou en regarder le documentaire. Un best-of juste sur ça Ça va pas être, voilà. Salut Rilou, je découvre le jeu avec toi, j'ai presque terminé les livres et j'ai le 3 mais pas fini. Salut Abart. Ah oui, c'est vrai que j'ai jamais lu les livres, mais quand j'étais au collège, je crois que les gens les lisaient d'ailleurs. J'ai entendu, mais en fait j'avais pas fait le lien avec le jeu, sauf il y a quelques mois, quelqu'un m'a dit, mais tu sais c'est issu des livres aussi, enfin tu vois c'est un... J'ai... Ah, mais c'est le même univers. Ah quoi. J'avais pas du tout percuté le sorceleur, tout ça. Vraiment pas percuté. Salut Astronomie. Un des meilleurs RPG pour mes 18 ans, quel cadeau. Ah, joyeux anniversaire. Merci. Merci pourquoi, je sais pas. Bravo. Félicitations. Bravo. Je sais pas ce que je dis. De l'argent bien dépensé. Oh, Craigas, merci beaucoup. Acroasis pour le don, merci, c'est très gentil. Bien dépensé, oui, merci. Aha. Au pire, on t'envoie notre énergie pour que tu accroches. Non, mais je vais essayer de t'accrocher. Et si jamais j'accroche pas, je passerai au 2 parce que je sais que j'ai accroché. Mais voilà, il n'y a pas de raison pour que j'accroche pas, à part peut-être le gameplay qui me ferait. Hein. Enfin, faut que j'arrive à tenir le coup sur le gameplay, quoi. Bon, je vais lancer le jeu, mais c'est juste que je sais qu'il y a une cinématique qui se lance quand je lance le jeu, c'est pour ça que j'attends un peu. Et oui, un usurpateur, on a 2 loutres du coup. 3 3 loutres. Il y a Croquis de Loutre, Loutre Dissidente et Loutre Dissident. Salut Seiya. Salut Zephyr, j'ai un super jeu que tu pourrais tester. Ah, ah bah merci pour le... Mon dieu. Merci pour le sub, petite loutre. C'est très gentil, tu deviens une loutre raton. Tu as le droit à un petit masque sur tes yeux, c'est beau. J'ai dit bonsoir Agdar, t'es sérieux? Je l'ai dit. J'ai remonté dans le chat juste pour ça en plus. J'ai un super jeu que tu pourrais tester en trio, en duo, même local si tu veux. For the King. Mais t'en as parlé, mais j'ai toujours pas regardé. Bah attends, regarde, on est sur Steam. On peut regarder 2 secondes. Comme ça, je suis sûre de pas oublier. For the King. Mais c'est un RTS ou pas? Oh, ça a l'air pas mal. Ajouter à ma liste de souhaits. Ah oui, c'est en accès anticipé, c'est ça que tu m'avais dit. Voilà. Tu l'as sur Steam depuis 1 an et demi? De quoi? Ce jeu? Je sais pas. J'avais le pseudo Loutre Dissidente sur mon ancien compte Twitch. Ah, c'était toi! Merde! Je confonds les loutres! Je croyais que c'était Akren que tu avais dit. Pardon. Oh là là, je comprends rien. Bon, alors attendez, je vais couper la musique de Prokofiev là derrière. Et on va être parti. On va lancer, on va voir si ça tient. Alors attendez, ça c'est normal. Ça c'est normal. Je vais encore jouer, promis, je regarderai le stream prochainement. Mais amuse-toi, Raptor, si tu t'amuses sur les jeux, tant mieux. Allô? Il n'y a plus de son. Et ça se lance pas. Je pensais avoir parlé de For the Night à Crane, pas moi. Ah oui, d'accord. Bah non, mais comme Crane n'est plus là. Attendez, je baisse juste le son. Ah mais c'est fort. Moins 15. Mais c'est tellement fort. Au secours. Il s'appelait Geralt de Rive. C'était un sorceleur. Un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint un pas à son tour. Merci Seren, Soon, les 2 ans, merci. Waouh, c'est énorme, merci petit raton. Yeah.
Il le pousse avec la main, quoi. Mais quel homme! Mais il se sert même pas de son épée. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui arrivent. C'est vrai que c'est un sorceleur. Oh, il y a un petit peu de son. Voilà, là pour l'instant c'est une cinématique, donc le jeu je le trouve beau, hein, y a pas de problème avec ça. C'est 2006-2005, je crois, ce jeu, ouais. Quelque chose comme ça. Ah, je pensais que c'était 2006. Moi aussi. D'accord. Elle était possédée! Ah! Ah, lourd! Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Geralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Merde, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Tu veux dire de l'histoire de Witcher? Non, non, mais non, j'y connais rien. J'y connais rien du tout. Ah.
Bah écoutez, nouvelle partie, c'est parti. Salut à tous ceux qui arrivent, du coup. Salut Ben le Putois, salut Blégolam, salut tout le monde, salut Candide. La cinématique fait référence au tout premier roman. D'accord, ok. Bon bah écoutez, j'ai mis les voix en français avec sous-titres, j'espère que ça vous va. Je trouve que les voix sont plutôt bien faites. Et c'est parti, hein. Ah, merci Louvre Omega pour les 12 mois de soutien. Ah non, c'est beau. Ah non, petite Louvre, merci, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Salut Castey, salut Douge le Vieux. Allez, c'est parti, ça donne envie pour moi qui connais pas. Ouais, mais c'est les cinématiques, ça. Alors, The Witcher, on va mettre en facile parce que c'est la misère, hein, le gameplay, donc je vais, voilà, je vais vous le dire. L'alchimie, en plus, j'y comprends que dalle, donc voilà. Ils disent Geralt au lieu de Geralt. Ouais, mais Geralt, ça me dérange pas. Clavier plus souris. Faut mettre les voix en polonais de quoi, bien sûr. Le son les voix sont assez inégales. D'accord. Alors attendez, je baisse juste un peu. Paf. Vous me direz si le son du jeu est trop faible. Mais je baisse juste un peu parce que là, c'est trop fort. Tu peux jouer en normal, t'inquiète. Non, non, non. Le gameplay est pas fou, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de... m'infliger ça. En normal au moins. Non mais j'ai fait le tuto en normal, ça m'a fait chier déjà. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La Grande Peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiées dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kedwen, au nord des Montagnes Bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. C'est l'idée néandre. Je vais juste profiter de l'histoire, pas mettre l'accent sur le gameplay. Je mettrai en normal si on continue jusqu'au 2 et autres. Hein. Faut s'habituer, faut que je m'habitue au gameplay. Crane, c'est juste qu'il a des problèmes de PC, là il est en bas. Mais c'est juste des problèmes de PC, sinon lui ça va. Merci Umbre pour le sub, bienvenue. Umbre, je sais, Umbre. Umbre. Merci beaucoup. Viens un petit raton. C'est très gentil. Ça commence bien, dis donc. Je me fais maltraiter. Il est un peu en PLS quand même, Craignoy. Ok. Ambiance pluvieuse, il faut le dire. J'ai mis le fond en vert, je sais pas pourquoi. On va laisser. Non mais j'espère que je vais maîtriser, mais moi je mets du temps à m'adapter au gameplay aussi, c'est pour ça. Où suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'en revenant. Merci à Dark Hickman pour le follow, bienvenue. C'est pas le point central le gameplay, donc c'est pour ça que j'ai mis en facile, évidemment. Évidemment, je cherche toutes les justifications possibles. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kaer Morhen. Petits arbres. Ah, stylé. Ok. Oui, non, mais on est d'accord ou pas au style. Non, je connais pas trop l'univers de The Witcher. J'y connais rien. Et salut Peter Punk ou Funk. Faut cliquer au bon moment en fait, et comme je suis un rythme digne d'une moule, bah ça va être chaud. Salut Christ. La musique est sympa. Putain, ils ont tous des cicatrices trop badass. Je veux le collier, il est trop beau. Enfin, il y a un système de posture. Léo, ah, bah. Cherche Triss.
C'est la version Enhanced. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en tant que vous le pouvez. Oh, les poils de barbe, ils sont trop stylés. Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse. Pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Pourquoi toujours. Je connaissais cette voix? C'est trop bizarre, je la connais. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. Triss, elle a l'œil qui vibre. La mémoire te revient? Assez peu. Regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, les stocks... Elle a l'air badass, Triss, aussi. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous... Nous... Ah, des pigeons. Je ne connais pas cette espèce. Le doublage français a l'air goldé. Il y a ça qui t'envoie pour toute la France. Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Ah, c'est Morgan Freeman, d'accord. Ici. Tellement badass que la peur des pigeons. Je retire ce que pas j'ai mal. Dit. J'aimerais bien Candide. Qu'en pensez-vous, Gérald? Il est prêt pour le voyage? Oh, ce petit cul. Pardon. Je suis pas là pour ça, on se concentre. Attendez les autres. Il est seul. C'est quoi ce genre? Offre 50 or un pour chaque mécanique. Oh là là, c'est chorégraphie. Vézémir, on a de la visite. Coup ! Oh là là ! Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement. Mais moi, je sais pas me battre ! Au secours ! Attendez. Il y a trop de... Ah voilà. Non mais... Ah voilà. Non, je sais pas. Il y a trop de sensibilité. C'est l'enfer. Comme ça, ça devrait aller. Comme ça. Ah merde, je vais trop vite. Je crois que je comprends. Non, je comprends pas. Pour l'instant, je peux faire qu'un clic. Mais je suis en train de tuer le plus gros aussi là, je vais mourir moi. Ah, j'ai fait tout le kick, il faut pas. Là ! Paf ! Le combo ! Oh, j'ai réussi ! J'ai réussi ! Un combo, j'ai tué un gars. Comment fallait faire le tuto, il s'est pas lancé. Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants ? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kaer Morhen. Nous le savons, Marigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit ? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez ! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court. Non mais là on est dans le tuto, non? Parce que moi j'ai rien lancé, donc si ça c'est pas le tuto, je sais pas où est le tuto. Parce que j'ai rien fait. Le mode vue à la troisième personne utilise les commandes ZQSD pour faire pivoter la caméra, utiliser la souris, maintenir la touche mage. Ah oui, un peu. Oui, ça je vois. Ok. Allons-y! Ou je sais pas. Par là. Et là, si je fais mage, hop, ça se déplace, d'accord, très bien. Tu vois. Ouais, le 3, je... Mais le 2 m'a plu, donc je ferai peut-être le 2 avant le 3. Mais je pense que je vais accrocher, là, ça va. Faut juste que je clique et que je prenne mon temps et ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Il est méga long tuto. Ouais, on est dedans, là. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. What? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Un épouvanteur, une sale merde. Un épouvanteur? Ça voilà, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Oh là là, il a l'air badass. On dirait qu'il a des écailles sur la peau. Le 2, je trouve qu'il vaut le coup, ouais. J'ai joué que 10 heures, comme je disais. J'ai juste tué un monstre, en gros.
Mais j'ai beaucoup apprécié. Ils arrivent par ici. Tenez-vous prêts. Après, moi, j'ai jamais fait de RPG presque dans ma vie. Je suis vraiment la noob des RPG. Et en ce moment, j'ai envie d'en découvrir. L'homme aux lunettes, c'est le professeur. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Il est badass, lui aussi. Professeur, vous savez quoi faire? Allez-y. Ok. Celui avec les lunettes, là. Charisme sur moi. Le professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Je ne reconnais pas le mage. Marigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux. Mais il craint les grands bruits. Ah. Les cloches dans la haute cour. On va les faire sonner. Exactement. La gueule. Esquel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous, nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Je me concentre. Seul. Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, Lou. Ok. Est-ce que je vais me concentrer sur l'histoire principale ou papillonner en général? Dans les jeux, je suis l'histoire principale, mais là, ça va dépendre. Je sais que c'est bien aussi de papillonner dans ce jeu-là. Suivre le marqueur sur la mini-carte pour trouver un objectif de quête. Bah oui, c'est bien le tuto, ça. Pourquoi tu avances? Arrête! Attends, je suis en train de me faire poutrer le cul, là! Tu vas te calmer, sale bandit? Il faut bien être synchronisé. Si vous cliquez trop tôt, l'attaque ratera. Si vous cliquez trop tard, la séance recommencera. Lorsque vous cliquez... Glaive flamboyant! Ah mince! Du coup, ça me l'a enlevé, ce glaive flamboyant. Putain, mais la manière dont il tient son épée, ça me donne envie de... Enfin, franchement, je suis triste pour lui, quoi. Oh là là. Non, ça va en vrai pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? Oui, pardon, elle fait des boulettes. Moi, faut que je longe le mur et que je trouve la tour. Concentration. Est-ce qu'on peut loot sur les ennemis? Je sais pas. Je me prends des dommages de qui là? C'est un archer ou quoi? Non, je me suis pas pris de dommages. J'ai eu l'impression de m'en prendre. Là, il y a un connard en haut. Mais je vais crever, hein. Faut que je regarde ma barre de vie un peu, pour l'instant je comprends pas grand chose. Ah oui, je double clique et paf, ça me fait faire des pas sur le côté. Petit pas à gauche, petit pas à droite. Très bien, je comprends. Il y a plusieurs poses pour l'épée, d'accord. Parce que là pour l'instant, il a juste l'air con. Là comme ça va, hein. Mais sinon... Je peux pas l'utiliser ça? Attendez. Je sais pas où je dois aller, du coup je vais taper des gars. Il est en train de faire quoi lui là? Ok. Parfait. Et ça? Je sais pas ce qu'il faisait, il était accroupi ici. Je peux pas rentrer ici, c'est pas une porte, non. Bagarre, bagarre! Merci pour les 1 an de soutien, Rack, des bisous! Ah non, petit raton éléphant. Bon, pour l'instant, comme il n'y a que 2 combos à faire, ça va. Tu vas arriver à tes jours de ta naissance, tu vas voir. Paf! Fais les chocs à pic! Dis-toi si le son du jeu est trop fort. Ça les embaille. Cette manière de tenir l'épée est trop badass. C'est ça, bien sûr. Ah, là, j'ai longé les murs, du coup, je suis dans les murs. Utilisez le style rapide lorsque vous affrontez des adversaires agiles. Vous pouvez passer au style rapide en cliquant sur les modes de... à la touche X. Rapide comme un aigle! Agile de quoi? Tu parles qu'il est agile, oui? Regardez-moi ça, je fuse. Fiu 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 fiu. On dirait une posture de kendo. Ça change de la dextérité du 3, alors là. Utilisez les stuts puissants contre les ennemis de grande taille. Alors, W pour puissant, d'accord. Si tu me
cherche, ça va mal finir. Merde, j'ai cliqué trop tôt là. Ah, les petits pigeons. Waouh, ils s'envolent sous mes pas, mais c'est tellement bien fait. Appuyez sur espace pour mettre le jeu en pause, pour changer plus facilement de style de combat. Ah, d'accord, oui. X. Au secours! Ah, mais il a fait une feinte! Il a fait un gauche-droite de l'enfer! Alors toi, je sais pas, j'arrive pas à en focus 1. Je veux juste mourir en fait. Le tuto... Chialer. Mais arrêtez! Vous êtes à deux sur moi, c'est dégueulasse! Trop rapide, j'ai cliqué trop tôt. Je me prends des flèches ou c'est lui qui se prend des flèches? C'est pas clair ça. Niveau graphique, je me trouve vraiment propre. Bah c'est bon quand même. Alors vous! Merde, j'ai pas mis en pause, je voulais sauter. Je croyais que ça permettait de sauter. Le moment où, quand tu mets le jeu en pause, c'est aussi le moment, une seconde avant de mourir, où tu vas chercher désespérément une solution. Ah, parfait! Parfait. Comme un aigle. What? Très bien. Eh bien, dis donc. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons Savola. Le vrai château en ruine, quoi. Parfait. Je dois aller là? Je sais pas. Dans le vide, je vais là. On cherche, ça va mal finir. J'arrive qu'à faire 2-3 attaques ensemble pour l'instant. Et si tu me cherches, ça va mal finir, hein? Calme maintenant. Oh là là. Alors toi, avec ton arc là. Oh, une taillade! Je vais te faire chier. Ok, nickel. Putain, je suis obligé de me concentrer pour ce gameplay de folie là. Salut Konoker. Putain, il fait des parades. Attendez, c'est peut-être parce que je suis pas assez rapide en fait. C'est ça. J'étais en coup lourd en fait. Je me suis pris une flèche à un moment, mais je crois que je sais pas de qui ça vient. Mais là, je vais devoir me taper tout le monde. Oh, les pigeons, c'est mon truc préféré du jeu pour l'instant. Mais laissez-moi le frapper, lui! Il faut faire un choix, Body. What? J'ai fait une roulade par-dessus lui! Un salto! J'ai rien compris! Waouh! Quel talent! Ah, parfait. Viens là! Parfait. Repose-toi bien, Guilloche, soigne-toi bien. Mais bien sûr, le jeu est moche, que les animations sont médiocres et que le gameplay a mal vieilli. Mais c'est pas pour ça qu'on joue à ce jeu. Non, mais c'est pas ce que je recherche non plus, donc c'est parfait. Pour ouvrir la porte. Ah oui, alors Alt pour faire apparaître les objets utilisables autour de vous. Ok. Il y a un treuil. Ah, c'est trop beau, ça clique de partout. Ok. J'écoute Maudit pendant que je joue à Minecraft. Je trouve que ça colle à l'ambiance. Ah bon? Ah. Ok, alors là j'espère qu'on va pouvoir tuer cette bête. Je ne rêve que de ça. Des double cliffs, tu peux sauter par dessus, faire des roulades. Ah d'accord. Faire une danse chelou sinon. Bon sang Gérald, c'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Eskel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. Les musiques sont assez ouf. Ils sont venus vous voler. Triss, mon enfant, il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc... Qu'est-ce que vous avez fait au petit renard blanc? Que je fais allusion au laboratoire.
Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Triss a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Geralt, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si ils vous ont mis tout le pied dans les poils. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Triss, mon petit, restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. Salut Elise, salut Flora Blanche, salut Chat Craze. Oui, c'est le gobelet des Gifferies, oui. J'ai lu un truc auquel je voulais répondre et j'ai oublié en fait. Alors attendez. Bah écoutez, non. Tant pis, on va continuer. Hein. Je sais pas, tant pis. Ouvrez votre inventaire en cliquant sur la sacoche ou sur i. Oui, bah normal. Faites un clic droit sur l'élixir pour l'utiliser. Astuce, cliquez et déplacez les élixirs dans les poches spéciales pour avoir plus de vite. Mais j'ai rien là, si. Ah, c'est là, élixir. Du coup, fallait que je le mette où? Dans quel truc? Pour y avoir accès rapidement. Ça, c'est arme lourde, arme courte. Anneau, glaive. Ah, là! Augmente les dégâts, et ça. Régénération de la vitalité. C'est parfait, on va prendre ça. Je sais pas sur quelle touche faut que je l'utilise après, mais bon. Faut que j'aille où là? Attendez, concentration. Pas d'arc. On peut pas récupérer les items, mais ça me fait bizarre de pas loot depuis tout à l'heure en fait. Prêt, Geralt? Oui. C'est ton premier combat? Non, mais je n'ai jamais tué un homme. Ne t'éloigne pas. Mais je n'ai jamais tué un homme. Geralt, attendez. Vous voyez pas le menu d'équipement? Ah d'accord, c'est peut-être un ennemi puissant à l'intérieur. Buvez l'élixir de tonnerre que Vesemir vous a donné. Ah, l'élixir de tonnerre, pardon. Mais attends, je sais toujours pas quelle touche c'est pour l'utiliser. Ah oui, vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra et tout. C'est pour ça. C'est quelle touche pour l'utiliser? Non, c'est hirondelle. Et là, faut que je boive tonnerre. Et... Bon, on va faire clic droit. Accro au loot, oui. Laissez le curseur... D'accord. Moi, je veux juste partir. Voilà, merci. Ah, ça vient après, les loots, d'accord. C'est le prologue. Salut, Egon. L'Empire me dit que je ne serai jamais aussi rapide qu'un vrai sorceleur. Mais j'ai réussi à le toucher à l'entraînement aujourd'hui. Vous avez battu Lambert? Nous faisions de l'escrime, quand l'orage a éclaté. Lambert a tourné la tête, j'ai fait une pirouette... Et je l'ai touché au ventre. Ça se fait pas de faire ça. Il est debout et ensuite, il m'a battu. Vous ferez un excellent escrimeur. À chaque fois que Lambert me bat, il dit que j'ai du potentiel. Mais attends, t'es obligé de raconter ta vie maintenant, Léo? Voyons. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai compris ça pour l'esquive. Mince, ça marche plus. Mais sinon, j'avais compris. Il faut que je clique deux fois et c'est bon. Mince, j'ai cliqué trop vite. Je vais te faire chialer. Je vais te faire chialer. Oh merde, mais je perds de la vie là, non? Je sais pas. C'est quoi la barre verte en bas? Est-ce qu'on peut taper sur ses potes sans faire exprès, je pense pas. Mais je sais pas ce qu'il a, Léo, mais... Vous venez de rencontrer un groupe d'adversaires de faible niveau. Choisissez le style de groupe pour les vaincre le plus rapidement, pour passer aussi. Alors attendez, il y a l'air d'avoir trop de trucs, là. C,
C'est quoi le style de groupe? Mais il range jamais son épée. Mais pourquoi faire, dis donc? C'est le combat là. Wouah! A chaque fois que je fais un salto, je suis choqué. C'est bon là, non? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu... Il a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est là. Il prend de l'avance par rapport à moi, en fait. Ces escaliers mènent au labo. Allons-y. C'est le tuto vivre ensemble qui t'apprend qu'il faut communiquer dans la vie, c'est ça. L'énergie puisée au cercle des éléments suffira pour arrêter les sorceleurs? Vous tremblez. Et vous qui pestiez de crainte que Savola les ait tous avant vous. Un seul sorceleur, fût-ce loup blanc, vous effraie donc à ce point. Ce tueur patenté dont vous parlez et que l'on tenait pour mort, je le défierais volontiers. Léo, recule. Allez, Léo, il veut être sorceleur, ouais, j'ai compris ça. Le temps est crucial. Ils ne peuvent rien contre le pouvoir du cercle des éléments. Au travail, je veux les mutagènes prêts pour la téléportation dans 15 minutes. Ces sorceleurs. Ouais, c'est mieux quand il parle pas, le prof. Hein. En effet, c'est zéro charisme une fois qu'il se met à parler. On est bloqué. La barrière magique a l'air solide. On est bloqué. Oh. Il nous faut. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous pillent. Geralt, dégagez le passage avec un signe. Un signe? Celui d'Ard. Je ne peux pas le faire. Je me suis cassé les doigts sur le dentelet. Lancez le signe d'Ard sur les gravats. Genre, il peut pas le faire. Ça ne me dit rien. Allons au cercle des éléments. Une immense source d'énergie. Vous devez vous souvenir des signes. Allons-y. Du coup, je dois faire demi-tour. Je dois suivre Léo et apprendre le signe d'A.A. Putain, mais à chaque fois, je perds ma mémoire. C'est quoi cette histoire? C'est pété. Bon, bah écoutez, si c'est pété. Cliquez sur la pierre pour apprendre un nouveau signe. Ok. Jusqu'à là, je comprends bien. Alors? On va voir ça dans un instant. Je savais que ça allait marcher. Remontons avant que Lambert ne tue l'épouvanteur tout seul. La Sindar crée une télékinésie qui sert à déplacer les obstacles et à renverser vos adversaires. Cliquez sur la cible avec le bouton droit de la souris pour lancer le signe d'art. Ok. Les ennemis étourdis ou renversés sont plus faciles à tuer en un seul coup. Bon bah allons essayer. Y'a un moyen de tuer Léo. Arrête! Pauvre petit Léo. Il veut bien faire ce Léo. J'ai loupé mon signe du coup. Ah non merde, des cailloux, je suis con. Excusez-moi, je pensais que je pouvais le faire à travers et... Ah excusez-moi, vous voyez là c'est un gros échec. Qu'avez-vous appris? Les bandits ont fouillé le labo. Leur mage s'est servi du cercle des éléments. La barrière magique, je peux pas la casser comme ça. Peste, aussi naïf que des enfants. Il fallait me parler du cercle. Triss, mon enfant, pour nous... C'était accessoire. Le mage s'est aligné sur le cercle pour créer un portail depuis lequel il peut se rendre n'importe où sur le continent, en emportant votre équipement. Nous avons commis une erreur. Mais vous disiez que le mage était inoffensif. Non, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Avant tout, nous devons protéger le labo. Du calme, Marigold. Nous savons que vous aimeriez étudier nos secrets. Vesemir, je ne réponds plus de moi-même si cet imbécile ouvre encore la bouche. Assez! Lambert, cessez de tarabuster, Triss. Soyez plus respectueux. De tarabuster. Triss, si nous allons tous au laboratoire, ils nous encercleront. On ferait mieux de se séparer. Geralt a raison. Nous devons tuer l'épouvanteur et protéger le labo. Nous devons nous séparer. Qui fait quoi? Je descends. Moi seul peux briser la barrière. Vesemir? Je reste et je me charge de l'épouvanteur et de Savola. Et vous, Geralt?
Vous pourriez nous être utile. Le laboratoire, Prime, je vais suivre Triss. L'épouvanteur. J'ai envie de tabasser l'épouvanteur, je pense que Triss est capable de se débrouiller toute seule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai très envie de faire l'épouvanteur. Je verrai votre réponse après, de toute façon il y a un petit délai. Salut Mikey. Je m'occupe de l'épouvanteur avec Vesemir. Alors j'y vais. Vous ne pouvez mais pas. Mais merci pour le follow, bienvenue. Je vous couvrirai. C'est gentil, Eskel. Mais je vais me téléporter jusqu'au labo. Voilà, se téléporte. Savola a établi un lien mental avec l'autre mage, et je compte l'utiliser comme repère. Je pourrais vous perdre en chemin. Sois prudente. Je suis une grande fille. Ça ira. Allez. Geralt, cet élixir de chat-huant régénère l'endurance. En cas de combat, lancez l'arde sur la cloche et les chaudrons. Il faut faire du bruit. Je veux qu'on nous entende depuis Vizima. Savola vient de lancer un sort. Il se passe quelque chose. Oula, ça lag là. J'avais pris de la boue à l'époque. La terre ah ouais. Tremble. Vous le sentez ? Ils sont passés. Mais elle a pas besoin d'aide, Triss. Elle est trop puissante. Attention. Salut, Wix. Oh, lourd. Regardez-moi ce style. La boule magique ! Oh non ! Oh, mais ils sont des milliards en plus. Il n'y a pas juste un mob et lui, quoi. Putain, il fait un bruit de robot quand il marche, par contre. C'est bizarre. Oh, il y avait un bruit d'aigle. What ? Attendez. Je vais mettre un mode comme ça. On va taper lui. On va tuer les noobs avant. Ces bruits de combat. Waouh. Vous croyez que je dois taper la bête? Putain, j'ai perdu de la vie. Elle est en mode parade, qu'est-ce qui se passe? Sale bête! Waouh! Elle me fait des ondes et tout, mais je sais pas ce qui se passe. J'essaie de lui taper les pattes, ça marche pas. J'essaie d'esquiver là. Et peut-être le fion, ça marche? Parade du fion aussi? Quoi? Ah, mais elle est en train de me défoncer! Peut-être que j'utilise le sort, vous croyez? L'endurance est représentée par la barre jaune. Baisse à chaque fois que vous lancez un signe. Lorsque l'endurance est trop basse, vous pouvez pas lancer de signe. Oh, mais je vais mourir, je sais, je regarde ma vie. Tape les grands pots, les pots. Ah, avec les grands pots. Ça? On a dit qu'il fallait faire du bruit, oui. Mais je pensais pas que c'était maintenant. Qu'est-ce qu'il me dit? J'aurais peut-être y arriver avec de la magie. Ah, mais oui! Elle s'en fout. Ma jauge, elle est à combien là? Ça remonte un peu. Ça marche pas. Il y a une cloche encore là. Qu'est-ce qu'il a mon médaillon? Pourquoi j'arrive pas à faire l'action? Ah c'est bon. Mon médaillon? Bah il vibre. Pourquoi je fais les sorts sans faire exprès? Ça a pas l'air de la tuer, hein. Ah, faut que je refasse. Y'a pas besoin de magie pour faire du bruit. Putain, mais ça marche pas. Je crois que c'est la barre en fait qui est vide. Je sais pas ce qui se passe. Mais arrête-toi!
Putain, je galère à faire mes actions. On dirait que je me trompe de bouton depuis tout à l'heure. Et lui, il vient m'emmerder, là. Ah oui, mais il faut que j'attende que le sort se recharge. Je pense que c'est comme je comprends pas quand il est rechargé ou pas. Mais si, j'ai vu le chaudron avec les vibrations, mais j'ai tout activé. Du coup, je sais pas ce qu'il faut que je fasse de plus, moi. C'est ce que je suis en train de vous dire, là. C'est la panique dans ma tête, là. De toute façon, ils sont en train de mourir en boucle depuis le début. Pourquoi ça fait rien? Attaque puissante sur le monstre. Avec le W. J'ai essayé tout à l'heure. Putain, mais ça veut pas. J'ai envie de me casser. Ah oui, mais l'échelle, elle est morte, c'est vrai. Au secours! Ah, ça y est. C'est la jauge de mana, la... celle du milieu ou la... Putain, je comprends pas en fait les différentes jauges. En haut, c'est ma vie, ça j'ai pas. Mais ça lui fait rien. Faut abandonner le fort, on est d'accord. Putain. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à terre. Fuis, maudit. Fuis, maudit. Fais des roulades. Tu es en agile, pas en puissant. Mais si, j'étais en W depuis tout à l'heure. Je suis en W là, arrête. Je vous jure, je comprends rien. Maudit, escalier, escalier, pas échelle. Quoi, j'ai dit échelle? Mais on s'en fout. Arrête. Que j'arrête quoi? Pour la cloche, faut faire attention. Et les chaudrons, c'est la magie. Faut faire attention à quoi? Est-ce qu'elle est en train de faire? Mais là, ça clignote les combats au loin, donc. Faut que je fasse les deux chaudrons et normalement, ça l'affaiblit. Bah oui, c'est ce que je fais, mais ça l'affaiblit. Faut que je les tabasse après. Non, mais c'est le problème, c'est de tabasser. Hein. Là, c'est bon, c'est rechargé. Le mana jaune, ouais, c'est ça que je comprenais pas. Mais elle partout, hein. Je suis en train de faire une attaque puissante, là j'ai la tête, l'épée au-dessus de la tête. Oh putain, je comprends. Faut que tu fasses trois portes, le premier médaillon loup. Mais de quoi tu parles? Je suis au premier médaillon loup, là, non? Ça me gave, je vous jure que ça me gave, là. Mais ça l'a fait picotille, elle en a rien à foutre. C'est super ergonomique le manège jaune en effet. Oui c'est bon, bah ouais c'est bon, c'est pour ça. Non mais je te jure je comprends pas. Bah oui c'est le bon médaillon. Faut peut-être buter les minions de savant. Mais je les ai déjà tués, ils sont revenus. Bon bah attends, on va essayer de les buter. Mais c'est qu'ils ils pop à l'infini en fait. Pourquoi j'arrive pas à le tuer? Là c'est bon, il y en a plus. Là, il y a les deux qui vibrent. Ils sont tous en train de se battre contre le truc. Mais le jeu est normal. Mais mes potes, ils ont pas enlevé de vie en plus. Je sais pas ce qu'ils font. Regarde, tu vois, il y en a encore un qui pop là. Mais il part tout. C'est l'enfer tout court là, je suis morte. Fin de la partie. Bon bah allez, ciao, à ciao, bonsoir. Ça c'est le tour. Ah j'ai pas vu le cercle rouge, tiens. Qu'avez-vous appris? Les bandits ont fouillé le labo. Leur j'ai essayé le signe art sur la bête, j'avais pas l'impression que ça lui faisait des dégâts. C'est une barrière magique. Peste. Aussi naïf que des enfants. Il fallait me parler du cercle. Putain, comment je fais pour passer le... Mon enfant, la cinématique pour nous, c'était accès. Le mage. Nous avons... Non. Duc. Vezim. Assez. On ferait... Géralt. Je descends. Vezim. Je reste. On va continuer l'épouvanteur. Si ne... C'est gentil. Voilà. Ça y est, j'ai fini le jeu. Ah, attendez, je vais refaire. Merci Max pour Try Again. Ah, Try Again, exactement. Pour le follow, bienvenue.
un peu plus de sa moitié de vie d'Inde alors que j'ai pas tapé. Merci Hyper Choco. Donc en effet, c'est mes ennemis qui m'ont... Enfin, mes potes qui m'ont fait des... La bête tombe. Ah, elle tombe si je fais le signe. Mais moi, elle est pas tombée quand je l'ai fait, mais peut-être parce qu'elle était pas étourdie. J'ai pas fait dans ce sens-là. Je vais réessayer. Et le truc, c'est que le signe, faut qu'il soit chargé, quoi. Ça met tellement de temps à charger. Bon, la boule magique, on a compris. Allez, c'est parti. Non, faut que j'attende la cinématique quand même. Hein. J'ai beau appuyer sur tous les boutons de la terre. Ça changera rien à ça. Elle est tombée, tu t'es juste barré. Ah, bah nickel. Ça, c'est parce que j'avais pas envie de me battre. Bon, attendez, moi, j'en ai rien à foutre de votre vie. Je vais aller préparer pour taper la salamandre. Attendez, je vais en taper un quand même. Ok, nickel. Là, il y a les deux vibrations, il me reste plus qu'à attendre celle-là. Ouais. Oh, regardez, il me suivait. Qu'est-ce qui se passe? La musique, elle s'arrête d'un coup. Non, ok, elle a changé. Très bien. Bah. Ah, c'est bon. Putain, mais... Ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Je peux plus m'enfuir. Au secours. J'étais plus en mode combat, peut-être. Mais à l'aide. Quoi? J'arrive pas à tirer juste la corde, ça rien qui marche. Oh, j'en ai marre. C'est une blague. Alors là, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Il avait rangé son épée dans son dos, j'ai voulu taper, ça marchait pas. Et esquiver. Putain. Ça va être enrichissant ce jeu. Qu'avez-vous appris? Les bandits ont fouillé le labo. Leur ma- ah, j'ai peut-être utilisé un élixir pour aller mieux dans ma vie, en effet. Je m'occupe de... Alors, c'est... Soit je... C'est bon. Inventaire. Alors. Je vais voir pour l'endurance. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Au secours! Je suis morte. Elle m'a étourdie et le mec il m'achève au sol. C'est une blague. Putain. Ça ira mieux après quelques heures dessus, je suis pas sûre. Qu'avez-vous appelé? Les prêtres. Une émission réalisée sur le Twitch, c'est ça. Je m'occupe de les. Eh bien écoutez, je vais peut-être aller au laboratoire moi. Alors j'y vais. Vous ne sais je vais me mettre derrière mes potes pour voir mon truc. Voilà, là on est tranquille. Voilà, j'ai bu ce truc. Pardon. J'ai dit qu'on peut pas sauter avec espace. Ok. Mais arrête-toi! Fais les ads avant comme tout à l'heure. Tu veux dire les sbires? Mais là j'ai même pas pu traverser en fait. Mais arrête de me faire chier toi, c'est pas le moment! J'en ai marre.
Heureusement que t'es en facile, mais je vous l'avais dit qu'il fallait laisser en facile pour moi. Pourquoi t'as tapé le pion? Mais parce qu'il m'harcelait! Putain, et ça... Ah, ça y est. Bon, ça fait rien ce que j'ai fait. Faut que je la tape juste. Pourquoi il veut pas la taper? Mais tape là! Oh, j'ai fait des dommages, ça y est. Waouh! Ça y est, j'y arrive! Yes! J'ai pas compris comment, mais j'ai réussi. Toujours les péons qu'on m'amène. Oui! La victoire! J'ai tué mon premier monstre! Eh ben, c'était easy, dis donc. On n'est pas du tout mort 4 fois. Il retourne tout le laboratoire. L'autre mage, c'est... Je l'ai sous-estimé. Elle est morte? Bon, bah rip. Tu as entendu, Triss? Ils détruisent le labo. Il faut les empêcher de voler nos secrets. Triss avait vu juste. Il faut les arrêter. Gérald, vous et Léo, courez au labo. Je m'occupe de Triss. Soyez prudents. Nous ferons au mieux, Vézémir. Vite! Comment je fais pour sauvegarder? Ça sauvegarde tout seul, non? Sauvegarde en cours, ouais, c'est bon. Mais j'ai vu les indications. Mais ils sont en train de foutre le fou. Bordel dans mon labo là. Enfin dans le labo. Salut Camus. Ça y est, j'ai ce que nous cherchions. Salut Gaëris, ça va? On vient de galérer sur le premier, sur le tuto, mais c'est pas grave. Professeur, occupez-vous des sorceleurs. Bonsoir Orzov. Merci pour le resub, petit camarade raton. J'espère que tu vas bien. Les sorceleurs sont maîtres Esparad, non? Cette voix. Mais attendez, mais lui il a une arme à distance, je vais me faire défoncer là. Salut Lana Tourou. Tourou. Chaque fois j'ai envie de rajouter un haut. Voyons ça. Léo. Non. Léo. Non. Oh non, Léo. Ah. Encore un coup de fou. Ah mince. Qu'est-ce qu'il a? Côte brisée, poumon perforé, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il a? Bah il est mort. Une décoction de Raffard le Blanc. Vite! Vite, la potion de mamie! Tenez bon, Léo. C'était là! C'était là! Je ne trouve rien. Ça n'y est plus. Vézémir, Léo est mort. Oh non, Léo. Comment est-ce arrivé? Il a attaqué le professeur. Je suis arrivé trop tard. Et vous étiez pas ensemble? Ce n'est pas votre faute, Gérald. Nous sommes tous responsables. Triss a failli perdre la vie. Ça à l'époque pour les sorceleurs. Et quelque chose me dit que ça va empirer. Et ici, vous contrôlez la situation? Plus ou moins. Il reste quelques traînards dont nous nous occuperons plus tard. Vous avez l'air fatigué. Reposez-vous. Je monterai la garde et veillerai le corps. Mais il a absolument rien foutu, mon perso, là. Cliquez sur l'icône méditation dans la boîte de dialogue pour enclencher le mode méditation. Je vais essayer la durée de méditation en cliquant sur l'icône. À plus tard. À plus tard. Il ne manque plus qu'un mage qui saurait quoi faire de tout cela. On peut looter ou pas ici? Il y a rien. Ah si. Ah bah attendez. Qu'est-ce que je fais moi? Dire que l'on m'a couché ici. On t'a couché ici?
Ah oui, quand il se souvenait plus de rien. Des mousses et des herbes. L'odeur est entêtante. Stylé. Oui. Ah pardon, à plus tard. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je dois faire la méditation là? Je peux pas partir? Oui. À plus tard. À plus tard. Je peux pas juste passer? Ah non. À plus tard. Oui. Allez, à plus tard. À plus tard. Formidable. Ils veulent vraiment que je médite là? J'ai pas très envie moi. Oui. Oui. À plus tard. Oui. À plus tard. Tu dois méditer, mon enfant. C'est quoi l'icône méditation, c'est ça? Ah non, ça c'est mes compétences. Sorceleur débutant. Ah bah, va falloir que je fasse n'importe quoi. Hein. Ah, c'est faut que j'arrête de faire ça. C'est où l'icône de méditation? Je la vois pas. Médite, on va te faire, ça va te faire régène. Oui, mais je sais pas où c'est. Je la vois pas, l'icône de méditation. Parle au vieux et clique sur Gérald qui dort. Mais il n'y a pas de vieux. Ah, si tu lui parles, il y a un bouton pour méditer. D'accord, je pensais que c'était dans mon interface en fait, donc j'étais en train de chercher. Oui. Mais j'avais pas. Je croyais que cette icône là, en fait, je devais la retrouver dans mon truc. C'est pour ça. Mais j'ai lu le tuto! Voilà. Du coup. Méditer jusqu'au crépuscule. Faut que je l'attende jusqu'à quand? C'est comme je veux là? On va dire jusqu'à l'aube. De 22h? Ah non. Il a dit une heure ou je sais pas. Il n'y a pas de vieux titel après avoir harcelé 40 fois. Mais je pensais que c'était un autre vieux. Oh. Crane, il a des soucis avec son PC. Bon, je sais pas, écoutez. Petite sieste de 22h. Mais dites ce qu'elle fait exprès. Allez, méditez jusqu'à midi, ça vous va? Comment on fait pour valider? Merde! Valide! Ah, c'est bon. Là, je médite, là. D'accord. Je suis en train de méditer, là. Ah bah, il est parti, du coup. Très bien. Ah non, il est là. Est-ce qu'elle est passée? Trace est inconsciente, mais son état est stable. C'est bon signe. Même méditer, nous ça l'énerve. Nous abandonnons Kaer Morhen. Plus rien ne nous retient ici. D'accord. Mais d'accord. Nous devons faire nos adieux à Léo. Et attendre que Triss soit sur pied. Les bandits. D'accord. Nous nous en occuperons. Mais avant tout, il nous faut un élixir de soins pour Triss. Il va falloir chercher les ingrédients. Il n'y a plus rien qui puisse servir ici. Mais comment préparer cet élixir? Mais bisous, Alexis. Lambert vous confiera la formule. Il doit être près de l'âtre, aux côtés de notre courageuse magicienne. Lambert? Il ne la déteste pas? Je crois qu'il se sent coupable. Les premiers mots que Triss entendra seront enfin de vous, feignante. C'est tout Lambert. D'accord. Au travail. Parfait. Plus tard, je vous enseignerai comment extraire les ingrédients des monstres. Je serai dans la grande salle. Bien. Bien. Ouvrez le journal en cliquant sur l'icône parchemin. Ah, celle-là, je l'ai trouvée. Ou en appuyant sur J. Appuyez sur quête pour voir votre prochaine mission. Choisissez la quête élixir pour Triss, puis cliquez sur suivre la quête sur la carte. Ok. J. Quête. Élixir pour Triss. Suivre la quête sur la... Suivre la quête sur la carte. Ah, faut que je clique sur le doigt. Ok. Donc là, je suis là. Il faut que j'aille... Non, attendez. Je suis la flèche ici. Il faut que j'aille là-bas. Allez. Je crois que j'ai compris. Ouh là là, c'est bizarre cette vue. Je peux pas retourner en vue normale? Ouh là là, je vais dégueuler après. C'est quoi cette caméra?
Les sorceleurs qui abandonnent le seul endroit qu'ils peuvent considérer comme safe. Bah écoute, ils viennent se faire agresser donc. Gérald sorceleur depuis des dizaines d'années, mais ne sait faire aucun des excellences de sorceleur. Mais c'est normal, il a perdu la mémoire. Mais non, il manque d'ingrédients, ok. Ils sont fait piller leur labo. Tu arrêtes maintenant. Tu remets pas en cause le juge. Tu n'as pas le droit. Qui es-tu pour faire ça? Il doit y avoir un moyen de sélectionner la vue de la caméra. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas le temps de discuter. Je dois préparer un élixir pour Triss. Tu trouveras une fiole de mouette immaculée dans l'armurerie au premier étage. Tu peux récupérer du calcium équum dans la salle de réception à l'étage. Ça ressemble à des pierres blanches. Regarde dans le coffre. Ratisse les lieux et élimine les traînards. Derrière cette porte, tu verras des escaliers. Je m'y rendrai bien. Même Erigold est inconsciente près du feu. Où est-ce qu'on peut trouver l'alcool? Où est-ce que je peux trouver de l'alcool? Tu trouveras de la mouette immaculée dans un coffre de l'armure. Ah, c'est la mouette immaculée, c'est de l'alcool. La salle regorge d'armes. Où est le calcium équum? Dans le coffre de la salle de réception. Je dois dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Léo, les bandits l'ont tué. Ils n'étaient pas prêts. C'est si injuste. Nous les traquerons. Il sera vengé. À plus tard. À plus tard. Ah oui, d'accord. On peut faire des élixirs en mode méditation. Ça a l'air d'être du lourd. Hein. Ils sont où les escaliers là? Attendez, vous m'avez dit option. Option de jeu. Mode de caméra. Isométrique. Vue à la troisième personne. Ah merci. Mais non, qu'est-ce que je fais? Ah d'accord, le feu de camp c'est pour la méditation. Mais ça c'est... Je veux pas... Mais je veux pas méditer. Retour, comment on fait? Annuler. Ah! Instant émotion. Petit chou, petit chou, t'as l'hirondelle. Méditation 0 heure, parfait, nickel. T'as bien médité? Mais je sais pas, j'avais envie de fouiller le chaudron en fait. Bon. Il m'a dit qu'il était où l'escalier là? Ah, c'est là? Ouais, c'est là. Merci Akko pour le follow, bienvenue. Alors, on peut voler du poulet. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Je sais pas. Un vieux placard à fouiller. Des myrtilles. Comment je fais? Tout transférer, voilà. Hop. Nickel! Mais qu'est-ce que je fais? Ah! Carrément! On m'insulte de toutou! Ouais, bah je vis ça bien! Tu me cherches, ça va mal finir! Mais il a une voix qui va pas du tout avec son corps, lui! Ça fait déjà 10 ans que j'ai joué à ce jeu. Ah là là, ça va vite. Ça va tellement vite. Et puis ils abandonnent l'endroit, ils ont aucun moyen de créer des nouveaux sorceleurs. De quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça fait peur, le pire doublage, ouais. Prends ça. Mais arrêtez! C'est pas sympa. Bon, les combats pour l'instant j'ai compris, contre les petits mobs ça va, mais sinon je galère un peu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a eu un bruit de petit rat. Le petit rat. Alors attendez, je vais suivre la quête parce que sinon je vais me perdre. Non mais c'est pas grave les doublages, c'est rigolo d'avoir des doublages comme ça en fait. Ça rajoute un petit côté kitsch. Mais j'avais pas envie de mettre en anglais. C'est plus facile pour que les gens puissent suivre. Ah, la mouette blanche.
tout transféré. J'ai trouvé l'alcool, c'était un bon début. Oh ! Nickel, une hache. On peut avoir différents styles de combat du coup, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Je peux m'entraîner contre ça. Mais il a pop d'où lui ? Il a regretté le jour de la naissance. Quelqu'un a déjà utilisé l'âge dans le jeu. Désactiver les commentaires contextuels qu'elle telle que trop rapide et trop lente dans les options du jeu. Oui, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Ça fait pas RP, mais je les laisse, ça m'aide. Mais Gérald torse nu, écoute, il a pas mal de poils de torse qui sont plutôt bien faits, les petits poils de torse là. Rrr. Comment on fait pour descendre? Mais c'est pas grave, je comprends que les doublages soient pas ouf et que ce soit mieux après, c'est pas très grave au pire. Allons fouiller cette commode. De l'eau en bouteille, nickel! Alors. Je vais pas du bon côté là, non? Je sais pas où je vais. Il me dit d'aller où? Par là? Même pas. On peut pas passer! Elle parle que des poils depuis le début du stream. Je trouve qu'ils sont bien faits. Les barbes et tout, les poils de torse, ces trucs comme ça. C'est bien fait. Ah, c'est peut-être là. Salle de réception, j'avais pas vu. Développez, please. Tout transféré. Là, je pourrais peut-être récupérer des armes, du coup. Ah, mais non, mais c'est juste la hache dont j'avais besoin, en fait, je crois. Enfin, que je pouvais prendre, plutôt. Parce que dont j'avais besoin, ça, je suis pas convaincue, mais... Ok, donc maintenant je vais pouvoir faire demi-tour. Hop, juste fouiller cette commode. Toutes les commodes contiennent de l'eau ou quoi? Ça se passe comment ici? La qualité du poil est quand même impressionnante! Ah là là. Un poil de qualité. Ah d'accord, il y a des pigeons à l'intérieur aussi. Ah bah écoutez. Il y a des restes aussi. Ah mais oui! Pourquoi je prends pas depuis tout à l'heure là? Je tue des gens, il faut bien récupérer l'argent, voyons. Qu'est-ce que t'as aimé dans l'univers Witcher? Les poils. Un poil au poil, feuilleux à souhait. Je sais pas, il a les poils blancs après, hein. C'est pas ouf. Hein. Ah mais oui, mais là aussi il y a des restes. Oh bah une boisson, parfait. Je sais pas pourquoi je clique sur tout alors qu'il y a qu'un truc. Tu peux récupérer du poulet? Ah non, il faut que je fasse, pardon, la machine. Hop. Je m'accroupis. Mince, comment je fais pour faire... C'est ici? Sélectionnez la formule, appelée élixir pour Triss. Ok. Elle est où la formule élixir pour Triss? C'est ça, non? Putain. On s'hydrate souvent. Non mais je trouve pas Je trouve pas la formule. Enfin, je la vois pas sur mon interface. Je suis peut-être perdue là. J'ai du mal avec l'interface du jeu. Je la trouve assez hermétique. Peut-être dans le journal. Quête. Non, c'est pas ça. Salut, Monkey Dayo. Le boss final. Ouais, attends, faut que je me rende jusque-là. Non, c'est pas ça. De quoi? Regarde les ingrédients. Ben, j'avais les ingrédients. J'ai la mouette machin du fion, là. Échappe. Alors, attends. Alchimie. J'ai deux trucs de mouette blanche. Et là? Du calcium et crume.
T'as tous les ingrédients, peut-être que ça s'affiche que quand c'est le cas. Mais oui, j'ai tous les ingrédients. Et là, ça donne vitriol, ce que je fais. C'est pas ouf, hein. Faut faire un choix. Non mais attendez. Hirondelle, mouette blanche. C'est juste mouette blanche. Il faut... Il faut du vitriol, j'ai l'impression. Donc c'est bon, hein, c'est ça. Bon, je fais, puis on verra au pire. Mais j'ai plus rien maintenant. Merde. Ça se trouve, j'ai fait de la merde. Attendez! Merde, je sais pas ce que j'ai fait! Il me reste un truc de mouette blanche, mais mon vitriol, là, il a disparu. Un peu de vitriol, non, oui. Bon, j'ai pas compris ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ouais, on va méditer une heure pour penser, pour oublier tout ça. Je crois que c'est bon, je suis pas sûre. Du sucre en poudre, de la cannelle, les ingrédients sont par couleur. Ah, ça m'a vachement aidé. Nickel. Du coup, là, c'est bon, j'ai fait mon truc. On va partir du principe que oui. Et surtout, on va se taire. Putain, je suis sûre que j'aurais pas dû faire ça. Merde, excuse-moi, je voulais juste te parler. Geralt, où est Léo? Il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, j'ai... Qu'est-ce qui se passe, je peux dire? Tu es ici chez toi. Qu'est-ce qui sert de base aux élixirs? Non mais j'ai foiré mon élixir déjà. Merde, bon bah on va dire un. Rappelle-moi ce qui sert de base aux élixirs. L'alcool. Plus il est pur, meilleur sera l'élixir. Salut Pedro Paz. Tu es ici chez toi. Je préfère les armureries au labo. Bien que Vesemir insiste sur les élixirs, il n'excelle pas en ce domaine. Il veut nous transmettre tout ce qu'il a appris dans sa jeunesse, mais moi... Les poudres et tout le tintouin... La potion, c'est n'importe quoi. Triss n'aurait pas pu vous aider pour la mutation de Léo. Elle n'a jamais vu le labo, et la dernière mutation remonte à des années. Vesemir t'en parlera mieux que moi. Je demanderai à Vesemir. Mais arrête de faire ça, maudit! Putain, à chaque fois je clique où il faut pas. Il a une rude soirée! C'est bon, j'ai les ingrédients. Bon, j'ai les ingrédients. Oui, non, mais là j'ai fait une potion au pif! Bien. Mais il te faudra autre chose pour préparer le cire. Comment ça, il me faudra autre chose? D'une bête puissante et de laquelle il doit. Merde! Vesemir t'indiquera où en trouver. Merde! Je vais te donner la formule. Chiotte! Bah, donne-moi la formule, je sais pas. Qu'est-ce qu'il te faut? Et maintenant? Va voir Vesemir. Mais il est où, Vesemir? À plus tard. Ah, j'ai réussi à chier cette quête. C'est lui, Vesemir! Ah, pardon, je l'avais pas reconnu. Je croyais que c'était moi au loin. Ah, c'était un rude combat. J'ai mis hors de combat plusieurs intrus en haut. Pour sans sauver vous, Triss, la potion. Nous aurions eu du mal à éliminer l'épouvanteur. Malheureusement, Triss a dû commencer par se débarrasser de Savola, ce qui leur a donné du temps. Ils ont presque tout pris. Mais l'équipement n'était pas le plus important. Si j'avais affronté le mage, j'aurais peut-être pu les arrêter. Sans vous, l'épouvanteur nous aurait massacrés. Vous vous êtes bien battu, Lou. Prenez ce glaive et cette armure. Je vous les destinais. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Vous vous disputez souvent avec Triss. Qui était Léo? Léo, il est mort, qu'est-ce que je m'en fous? Vous saviez déjà défendu Caer Mortem. Savez-vous qui nous a attaqués?
Savez-vous qui nous a attaqués ? Non. Mais le mage prouve que ce n'étaient pas des bandits ordinaires. Nous avons trouvé des écussons représentant des salamandres sur les morts. Le pire reste à venir. J'ai une question à vous poser. Laquelle ? Encore une, oui. Vous vous disputez souvent avec Triss ? Pas tant que ça. Ah, l'orgueil des magiciennes. Même si, comparé aux autres, Triss fait figure d'ange. Merci pour votre soutien. Oh, j'ai quelque chose pour vous. Merci. Je vous en prie. C'est quoi qui m'a donné ? On ne sait pas. Très bien. Y a-t-il d'autres sorceleurs ? Autrefois, il y avait deux autres écoles de sorceleurs. Mais je n'ai aucune nouvelle. Vous avez vu tous les sorceleurs que je connais, à l'exception de Berengar. Je le connaissais ? Je ne crois pas. C'est un introverti qui a choisi sa propre voie. En fait, personne ici ne peut prétendre connaître Berengar. Il fuyait souvent Kaer Morhen, mais finissait toujours par revenir. Après l'épreuve des herbes, il a accepté son destin et s'est entraîné assidûment. Pourquoi n'est-il pas ici ? Je l'ignore. Nous sommes sans nouvelles de lui. Allez, Lambert m'a donné la formule. Lambert m'a donné la formule. Je suppose que vous avez déjà la mouette immaculée et du... Oui, je les ai, en effet. Je les ai utilisées. Il vous faut de la Kalidouane. Prenez ce que j'ai. Plus une griffe de monstre, comme celle de l'épouvanteur. Pour dépecer une créature, prenez un poignard acéré et coupez le long du torse. Puis, dépecez l'épouvanteur dans la haute cour. Puis, préparez l'élixir auprès du feu. Très bien. Comment est-ce qu'on fait ? Je vous jure, j'ai plus les trucs dans mon inventaire, là, si on regarde. Il me manque des trucs, quoi. J'ai fait... Oh là là, j'ai fait de la merde. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. On continue, on verra si ça me bloque. Pourquoi je vais là ? Faut pas aller là. Merci, Elmactias, pour le follow. Bienvenue. Oh, mais je fais n'importe quoi dans ce jeu. C'est la liste de courses, ouais. C'est des objets de quête, ça ira, tu crois ? Parce que là, j'en ai pas. J'en ai plus, du coup. C'est bizarre. Allons dépecer. Mais non, t'inquiète pas. Je sais pas pourquoi il m'a proposé de faire ça, si c'est pour que ça se passe mal comme ça. Ben en fait, pourquoi le jeu il m'a laissé faire joujou avec le chaudron alors que je pensais que c'était bon en fait, qu'on avait tous les trucs et que je pouvais le faire. Mais je suis juste con. Putain, mais j'ai un sens de l'orientation de merde alors qu'il y a une boussole à droite. Ah voilà, on retrouve le chaudron ici. Parfait, la bête est là. Elle est là. Je sais que je peux draguer. Cliquez sur le cadavre de l'épouvanteur pour en extraire les ingrédients. Lisez les livres pour obtenir des informations sur les monstres et les ingrédients alchimiques. Vous devez connaître les ingrédients avant de les récupérer. D'accord. Bon là je connais l'ingrédient. J'ai besoin de la griffe et de l'œil. Tout transféré. Enfin de la griffe surtout. Ok, je dois trouver Vézémir, méditer et préparer l'élixir. Parfait. L'écume. L'écume. Il n'est pas revenu là où tu l'as trouvé. Ah ! Ah mais je sais plus où c'est. Faut que je monte à l'étage. Ça, c'est la... Je reviens en arrière là. Tu veux dire l'objet de quête, hein, s'il a réapparu ? Je me souviens plus du nom du truc, mais oui. Bah allons voir au cas où. Bah non, on verra si ça pose problème, remarque. Le super rue sera ouvert. Mais dis jusqu'à demain. Oui. Oui. Et si je me trompe d'ingrédients ? Si je me trompe d'ingrédients, vous devrez en trouver davantage. Merde. Où ? Je me charge de la griffe et de la calidoine. C'est bon, je peux refaire. Est-ce qu'elle a encore de l'alcool ? Et vous trouverez du calcium à l'étage. Et ne vous trompez pas. Nous parlerons plus tard. Ok, bah faut que je remonte. T'as raison. C'est le raton qui est trop heureux là. Ce jeu c'est une collection de plans cul, oui. Ok, alors je remonte. Merci Irkos pour le follow, bienvenue.
Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est beau. Alors attendez, on va remonter à l'étage et on va récupérer le truc. Il y a un raton, ouais. Non, mais pas dans le jeu. Le jeu avait prévu que Maudit ferait ses erreurs débiles. Dans le 1, c'est pire que dans les autres, ah ouais. Alors attendez, je l'avais trouvé au fond. On va retourner au fond voir. Je le mets toujours en fond, ce raton, parce que il fait une boule trop mignonne. Ah, je peux avoir ça aussi, j'avais pas vu ça. Mais c'est les mêmes, 1 et 6. Vas-y, je balance une. Je suis en train de foutre le bordel. Je peux faire quelque chose ? Tris n'aurait pas pu vous aider. Merci pour la GF0 Léo. Pour le follow. Elle n'a jamais vu le labo et la dernière mutation remonte non, à des années. J'ai déjà lu. Tris pourrait utiliser la magie pour y jeter un coup d'œil, non ? Elle respecte nos secrets. J'ai confiance en elle. Alors pourquoi ne pas lui montrer le labo ? Tris aurait voulu utiliser nos secrets pour soigner, faire le bien. Mais ce n'est pas si simple. Ah oui, elle voudrait être quelqu'un de bien, c'est Alfred cool. Nabel. Je suis amnésique. Après des années de recherche, il découvrit une substance extraordinaire. Il l'a destinée aux mines et aux carrières, et n'entrevit jamais les autres applications possibles. Mais certains réalisèrent qu'une substance conçue pour détacher le granit briserait les remparts les plus épais. Et qu'est-il advenu de la découverte d'Alfred ? Alfred s'est donné la mort, et son labo a entièrement brûlé. Comment vous parlez mal, ouais. En quoi consiste l'épreuve ? Et en quoi consistent les épreuves ? Il y a trois étapes. Léo a terminé la première, celle du choix, en se pliant à un entraînement et à un régime sévère. Ça a l'air je sympa. Suppose qu'il s'agit d'un régime spécial. Champignons, mousses et plantes qui poussent dans le labo. Orc. Combinés à l'entraînement, ils accélèrent la croissance musculaire et la digestion. Et tout le monde réussit cette première épreuve ? Malheureusement, non. Le foie et le cœur lâchent souvent. Oh ! Le cerveau, parfois. Le sujet. Mais c'est horrible comme épreuve ! Une agressivité anormale. Et la deuxième étape ? L'épreuve des herbes. Avant le pillage, le labo contenait des fioles, des âtres alchimiques, des formules, des plantes et des herbes. Tu as déjà assisté aux épreuves ? Une fois, à la nôtre. J'ai bien cru perdre la raison quand tes cheveux ont blanchi. Les herbes affectent le système nerveux et affûtent les réflexes. 4 postulants sur 10 ici. Non mais en fait, ils tuent tous les mecs qui veulent être des sorcières, ils les butent quoi. Sacrée sélection. Et la troisième épreuve ? C'est celle des modifications. Mutation de l'œil, de la moelle osseuse, du système hormonal. Après, nous y voyons la nuit, guérissons bien plus vite que la normale et résistons mieux au poison. Et la contrepartie ? Nous sommes stériles. Et les changements sont irréversibles ? Absolument. D'accord, bon ça va. Être stérile pourrait devenir aussi fort. Par contre, si tu meurs pendant les épreuves, c'est chiant quoi. Tu as vu l'orage magique ? Oui. Juste avant, une nuée d'engoulevent s'est envolée. Rien que de très banal. Pourtant, ils étaient inhabituellement nombreux. Et leurs cris étaient comme désespérés. Quand l'orage a éclaté, j'ai repris le chemin de Kaer Morhen. Nous discuterons plus tard. Bon, ok. Je voulais récupérer... Mais bouge-toi ! Je voulais récupérer des items ici, mais il n'y a plus rien. Là, je fais le tour. Okay. Mais merde ! C'était dans le coffre qu'il y avait l'item pour recréer, là. Il n'y a plus rien. Ça va, on va pas enlever tes couilles. C'est stérile, c'est pas grave. Ah, dans la caisse, là, c'est bon. Ah, c'est bon, on est sauvés. On va pouvoir aller faire le craft. Nickel. Normalement, il me reste de la... de la truc de mouette. Ah, mouette blanche, c'est parfait, on y va. Allez, c'est parti. Comment je pousse les gens sans aucun scrupule. Non, c'est pas là.
Ok. Prépare-toi, ça cause énormément dans ce jeu. Ouais, je sais. C'est un RPG, donc c'est principe. Après, là, je fais exprès de prendre tous les dialogues. Je suis pas obligée non plus. Alors, on va faire le tour. Je vais parler au mec pour vérifier que j'ai bien tous les ingrédients. Et après, c'est parti. Vézémir. Oui. J'ai réuni tous les ingrédients. Bien. À présent, reposez-vous. Et préparez l'élixir en respectant la formule. Je sais pas où elle est la formule, toujours pas, mais c'est pas grave. On va sauvegarder. Échappe, sauvegarder. Ok. Ah, élixir pour Triss, là ça s'affiche, comme quoi j'ai bien fait n'importe quoi tout à l'heure. Mélanger. Parfait. Je dois apporter l'élixir dans sa chambre à l'étage supérieur. Hop, on fait dodo et on y va. Les mecs, ils veulent que tu médites en permanence, c'est des moines ou quoi? C'est pas faux. Allez, c'est parti. En plus, en une heure, ils sont partis les autres. Allons-y. Et oui, du first try, waouh! Quel talent! Mais regardez-moi ce street art, à l'époque il savait faire des choses. Hein. Ah, y a pas à dire, c'était mieux avant. Allez, pousse-toi, Vézémir. Je vais changer la vie de Triss. Je vais la sauver, elle va me donner accès à des choses formidables. Quand tu médites, ils font leur vie. Bah normal, normal, normal. Je leur en veux pas. C'est pas de la méditation, ils écuvent à chaque fois. Parce qu'ils boivent de la mouette, je sais pas quoi là. C'est bizarre comme nom d'alcool quand même, la mouette. Alors, allons par ici. Mais ça c'est le style de jeu où faut pas que tu joues 3 heures quoi, faut que tu lances un après-midi et que tu joues tout l'après-midi je pense. Accès à son cœur j'allais dire, oh là là. Faut que je monte encore non? Je crois que c'est à l'étage. Oh c'est super beau les lumières. Damn it. C'est elle là? Double cliquer sur le médicament sur Triss pour te donner un truc. Il est où le médicament? Merci Gérald. J'espère que cet élixir est efficace. Horrible. J'ai rêvé que Lambert était avec moi. Il disait... Vous n'allez pas me faire le coup de mourir, Marigold. Et aussi, vous êtes une magicienne arrogante qui croit tout savoir. Je suis soulagée de te voir. Quoi? Je suis ravie que tu te sentes mieux. Je sais qu'il faut partir. Mais j'ai l'impression qu'on ne reviendra peut-être jamais. Tu ne veux pas rester encore un peu? Avec moi? On pourrait peut-être... Je suis si contente que tu sois de retour. Quand je t'ai vu, tous les sentiments que j'espérais enfouir sont revenus plus fort encore. Triss, je ne suis pas encore prêt à parler du passé. Bien sûr, je ne vais pas te harceler. Mais, en parlant des énergies, je me comporte comme une écolière. Concentrons-nous sur le présent. Je crois que je vous ai tous déçus. Pardonnez-moi. Tu n'as pas démérité. Tu nous as bien aidés. Tu n'as rien à te faire pardonner. Ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais en vie, ça dépassait tout. Oh. Sauf peut-être ce que je ressens en te regardant. Tu m'as tant manqué. Voyons si le meilleur juge de Kermorène peut nous supporter. Oh merde! Je pensais pas que ça allait le... faire aise. Waouh, elle a trop la classe avec son chat. Elle est trop belle. Oh non. Il est trop mignon ce chat. Oh là là. Je collectionne ma première carte. C'est un plaisir. Comme toujours. Comme toujours? Tu as tout oublié? Je le crains. Eh bien, ça te fait quelque chose à espérer comme ça. Enfin, dis-moi comment s'est finie la bataille. Ils sont entrés dans le labo.
ont tué Léo et volé les mutagènes avant de s'enfuir. Pauvre Vesemir. Encore un de ses protégés mort prématurément. Nous attendions ton réveil pour les funérailles. Merci. Quant aux mutagènes, leur perte pourrait être catastrophique. Nous ne devons pas perdre de temps. Ce jeu très féministe. Alors, nous ne devons pas perdre de temps. Inutile de faire attendre Vesemir. Tu peux me rendre la mémoire. Attends, je vais quand même demander pour la mémoire. Tu peux me rendre la mémoire ? Il faudrait t'examiner. Mais il y a de bonnes chances que la mémoire te revienne d'elle-même. De bonnes chances ? Il serait utile que je sache qui a causé ton amnésie. Le moment est mal choisi. Nous y allons ? Tu as parlé des conséquences du vol. La plupart des magiciens et des souverains vendraient leur âme pour ces mutagènes. Seul un maître des arcanes saurait les utiliser. Et il en reste peu. Et si c'était un riche marchand, un duc ou un roi ? Tout est possible. Mais les conjectures sont une perte de temps. C'est vrai. Nous y allons ? Oui. Inutile de faire attendre Vesemir. Viens. Elle m'a dit déjà 2-3 fois... Alors, on y va ? Nous y allons ? Et je relançais la conversation sur autre chose. Ça se fait pas. Nous ignorons d'où venaient ces bandits et qui les a envoyés. En groupe, nous sommes trop voyants. Et séparés, nous couvrirons plus de terrain. Je pars vers l'ouest. J'y connais du monde et je préfère les climats côtiers. Alors j'irai à l'est, vers Kedwen, si ça vous convient. Parfait. Et pour moi alors ? Partez au sud, vers la Temeria. Le roi Foltest est votre débiteur. C'est vous qui avez brisé la malédiction qui pesait sur sa fille. Les bandits pourraient s'y trouver. Et vous, Triss ? Je ferai jouer mes relations pour retrouver leurs traces. Le cas échéant, je contacterai Geralt. Ok. Bon bah on se sépare tous quoi. C'est triste. Je vais vite mener ma petite enquête et je te retrouverai à Vizima. Triss. Non, Geralt. Je déteste les adieux. Les effusions, les pleurs. Il n'y a rien de plus lamentable qu'une magicienne en larmes. Et reste en vie, Geralt. Je ne supporterai pas un second deuil. À bientôt. Allez, à la classe quand même. Au revoir, Triss. Merde, ça se trouve, vous pouvez pas lire. En gros, les bandits ont réussi à dérober les secrets qui étaient cachés depuis des siècles. Comme de bien entendu, c'est aux quatre coins du monde que les sorciers partirent à la recherche des secrets volés. Geralt de Rive prit la route vers le sud, vers Wizima. Le dessin est trop beau, là. Tout le monde s'en fout de Léo. Bah, c'est trop tard, Léo, maintenant. Caroline, tu es fatiguée. Ce n'est plus très loin. On arrive. Allez, ça y est, premier chapitre. On a fini le tuto, du coup. J'ai froid. On te trouvera du lait chaud avec du miel. Tu adores ça. Ah oui, alors. Merci, Caroline. Même cette voix, je la connais. Qu'est-ce qu'ils font là, ces chiens ? Des chiens ? Salut, antifacho. Ah non, pas des chiens. Je ne tue pas des chiens. Alvin, fais exactement ce que je te dis, d'accord ? Cours de toutes tes forces jusqu'à la taverne et ne te retourne pas, compris ? Ces chiens sont pas gentils. Cours ! Ces chiens sont pas gentils ! Ah ! Ces clébards-là, je peux les tuer. En effet. Salut David. Bah j'ai la version Enhanced de Steam ça, là. Ferme les portes, vite. La bête nous attaque, sonnez l'alerte.
Putain, ma mère va mourir. Ah oui. RIP. Même elle, on voyait que ça, ses boobs. Même jusqu'au dernier instant. La PLS du petit. Gérald, il y a une femme dehors. Les chiens vont la tailler en pièces. Aide-la. À l'aide. N'ouvrez pas la porte. Ces chiens sont des tueurs. Vous n'êtes que des monstres. Laissez-moi passer. J'irai la sauver. Ne sortez pas seul. On va tous y laisser notre peau. Merde, je tape trop vite, attends, il faut que je me concentre. Putain, ils me sont en train de me bouffer le cul. Mais ça, c'est des chiens des ténèbres, quoi, ils ont une aura chelou. Mince, faut peut-être que je mette en plus rapide. Ah, c'est ça. C'est moi, j'ai pu penser qu'il y avait plusieurs modes. Qu'est-ce que c'était ? De la magie, sans aucun doute. La bête ! La bête ! Les postures, sache que j'ai oublié tout le temps. Le temps du glaive et de la hache approche. What ? Du froid et de la lumière immaculée. De la folie et du mépris. Tête des rêves, la fin des temps. Le monde disparaîtra sous les glaces et renaîtra du soleil neuf. Il renaîtra du sang ancien, de Helmiker, d'une graine lancée. Qui ne germera pas, mais brûlera. Oui, je peux mettre pause quand je veux, ouais, j'ai oublié. La prophétie elfique d'Islin. J'espère qu'il va bien. On dirait bien qu'il nous a sauvés des griffes de la bête. Oui, on dirait. J'espère qu'il n'est pas blessé. Je vais devoir trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Il ne doit pas rester seul. En attendant, nous logerons à la taverne. Attends une minute. Je suis tombé sur des chiens sauvages, mais ils n'avaient rien à voir avec ceux-là. Et je ne parle pas seulement des poils verts. Qu'est-ce que tu sais sur eux ? Ça fait un moment qu'ils terrorisent le village. La meute est menée par un grand chien, surnommé la bête. Il doit y avoir quelqu'un prêt à payer pour tuer la bête. Ah. C'est votre métier à vous, les sorceleurs, non ? Assez parlé de monstres. Qu'est-ce qui t'amène ? Je cherche des hommes qui portent l'écusson de la salamandre. Ça te dit quelque chose ? Pas si fort. Quelqu'un comme ça est passé, mais les paysans refusent d'en parler. Leur révérence est peut-être quelque chose... Le gosse couché qui fait d'espace. Profites-en pour lui parler de la bête. Bonne idée. Tu voulais me demander quelque chose ? On se connaît. C'est moi, Shani. Tu ne me reconnais pas ? Je te croyais mort. Hélas. Salut, Miji. J'ai perdu la mémoire. Mes souvenirs s'arrêtent à ces dernières semaines. Rien de plus. J'ai peur de ne rien pouvoir faire. La médecine est balbutiante ici, dans le Nord. Tout ce que je sais, c'est que la mémoire revient parfois d'elle-même. Ça ne me dérange pas tant que ça. En fait, je m'habitue. Je ne devrais pas le dire, mais en ce domaine, les magiciens sont parfois plus efficaces que nous autres médecins. Demande plutôt leur aide. Qu'est-ce que tu sais sur la salamandre ? C'est un groupe de bandits qui terrorise les gens d'ici. Hier, ils ont ramené un garçon qu'ils avaient fouetté avec une lamie. Une lamie ? Une cravache de mutilation, pleine de barbelures et de crochets. La plupart des pays civilisés l'ont interdite. Tu m'étonnes. Le garçon délirait. Il parlait d'une rançon, du révérend. Hélas, il est mort la nuit même. Merci. Je vais sans doute m'attarder par ici. Pourquoi t'intéresses-tu à la salamandre ? Je ne peux rien dire. Je comprends. Ah, quelle femme bien ! Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je vais à l'hôpital Lebioda à Vizima, pour aider à enrayer la Catriona. Tu pars quand ? Dès que j'aurai soigné les victimes des chiens, je pense. Je ne peux pas les abandonner. Ça va me retarder, mais certains d'entre eux seraient condamnés sans mon aide. Et Alvin ? Que va-t-il devenir ? Et Alvin ? Je l'ignore. Un villageois le recueillera peut-être ? Peut-être. Quelqu'un se chargera sûrement de lui. Mais oui, sûrement. Vous voulez me demander quelque chose ? Du coup, on s'en fout. Allez, adieu. Nous parlerons plus tard. Du calme, tout va bien maintenant. Nickel.
Il a fini sa PLS. Alors fouillons les restes. Croc de bête et crâne. Donc du coup, il va falloir qu'on défonce la bête. Hein. Il y a un truc pour mon truc d'alchimiste. Sinon, c'est du butin. Ok. Donc là, si je fais J... J'ai pas monté de level, si ? Je peux mettre des points ? Je sais pas dans quoi les mettre, donc remarquez. On va pas toucher à ça pour l'instant. Alors. Gagner la confiance des villageois. Pour découvrir qui sont les salamandres. Bon bah je vais devoir parler aux gens. Hein. Oui pour l'instant j'aime bien le jeu, oui. Je me souviens du passage dans le bouquin où ils se font surprendre à poil par un autre perso qui s'enfuyait. De quoi ? Salut Méchanmi, merci pour le follow, bienvenue. Je sais pas ce que je fais. Bon bah écoutez, on va parler aux gens. Rencontrons les gens. L'ordre de la Rose Ardente doit nous envoyer des renforts. Je me plais pas ici. Salutations. Je l'ai poussé avant de lui parler. Je suis coincé ici avec ma marchandise alors que ma femme et mes enfants m'attendent en ville. Vous ne pouvez pas entrer ? Les portes de Vizima sont fermées à cause de la peste. Il n'y a rien de pire qu'une épidémie pour le commerce. Il va falloir attendre alors. Presque tous les malades sont morts. C'est de la fourrure qu'il y a autour du cou. Oh là là. Et différents malandres. Quel bourgeois. Répandent leur propre peste. Je peux vous poser une question ? Oui. Merci, Sekra Atlantos pour le follow. Bienvenue. Alors, que savez-vous de la peste ? Que savez-vous de la peste ? C'est une variante de la peste bubonique. Moi, je reste loin de tous ceux qui n'ont pas l'air bien. Vous n'avez pas peur. Je suis immunisé contre les maladies infectieuses. Mon grand-père prétendait la même chose et disait que ces bubons étaient que des furoncles. Que la D'accord. terre lui soit douce. Oui. Oui. Que savez-vous de la bête ? Faut qu'ils arrêtent de dire. C'est oui. une sorte de fantôme. Qui surgit de nulle part et tue ceux qui n'ont pas la conscience tranquille. Vraiment ? Les fonctionnaires feraient un festin de choix pour la bête. D'autres fantômes sont à son service, des sortes de matins. Je demanderai aux gens d'ici. Oui ? Oui ? Faut qu'il arrête. Hein. Il y a des bandits dans les faubourgs ? Plutôt oui. Ils se font appeler milices et ils vous extorquent des pots de vin. Il paraît aussi qu'une secte de Vizima s'est installée ici. Des hommes qui arborent le symbole de la salamandre ? Je n'en ai jamais croisé un seul. Parlez-en au révérend. Je n'y manquerai pas. Oui ? Adieu. Adieu. On va voir s'il y a quelqu'un dans la taverne. Pas urgence. Un panneau d'affichage. J'y trouverai peut-être du travail. Salut Jason, oui c'est le premier. Article 2 qui est un mandat d'arrêt contre le professeur. Contrat. Je prends tout du coup. Faut qu'on les lise quand même. J'ai besoin d'au moins 5 goules. Je paye bien. La goule doit apparaître dans le bestiaire. J'ai besoin d'au moins 5 goules, je paye. Pour accomplir cette quête, la goule doit apparaître dans le vestiaire. Celle-là ? Ok. L'église du feu éternel cherche quelqu'un pour s'occuper des noyeurs sur la rive du fleuve. Contingent de paix mort a apporté une preuve de la mort de 3 de ces monstres. Pour accomplir cette quête, le noyeur doit apparaître dans le vestiaire. C'est tout. Dix crânes, d'accord.
Nous déclarons que par la présente, que celui que l'on nomme le professeur est coupable de nombreux crimes contre la couronne, notamment entre autres de meurtres, d'agressions, d'insolence envers les gardes et notables de la ville, et d'autres méfaits à l'encontre des sujets du royaume. Quiconque lui offrira asile sera coupable de complicité et jugé pour complicité pour tous ses crimes. Il est du devoir de tous les sujets de la couronne de soutenir notre action en vue de la capture de cet homme. D'accord, bah écoutez, qu'il soit mort ou vif, alors... Celui que l'on nomme le professeur. Je dois parler aux gardes de Wizima pour trouver les ennemis du professeur. Les noyeurs s'éculent la nuit, d'accord. Mais arrête de faire ça, je confonds clic droit, clic gauche. Je suis désolée. Alors, méditez dans les tavernes. Pour cela, parlez au tavernier et cliquez sur l'icône méditation. Vous pouvez également entreposer des objets dans une taverne. Il y a un coffre, d'accord. Trois onces d'optima. Merci Livia pour le follow, bienvenue. Une goutte de solution mercurique. Oh pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Salutations. Salutations. Kalksten, alchimiste. Gérald, sorceleur. Un sorceleur ? Combien demanderiez-vous pour me laisser examiner votre corps ? Trop cher pour vous. Vous rendriez un grand service à la science. D'accord, je n'insiste pas. Mais je vous prenais pour quelqu'un qui respectait la science. Je respecte la science et les scientifiques. Les alchimistes aussi d'ailleurs. En retour, j'attends qu'on me respecte. Cette voix. Je vois. Peut-être accepteriez-vous une autopsie alors ? Mais sérieux ? Mon respect pour les alchimistes est en chute libre. D'accord, c'est bon. Désolé. Tu veux que je livre les livres ? Les lise les livres ? Mais j'imagine pas vraiment les lire juste pour avoir les différents objets. Pouvoir les trouver s'il faut. Faut que j'ai l'info avant de récupérer les objets sur les monstres, c'est ça l'idée. Donc faut que je lise les livres. Mais j'imagine que je vais pas vraiment les lire, je vais juste cliquer. On dit que vous recherchez du sang de goule. Et vous en avez ? Je reviendrai vous voir quand j'en aurai. Sans ce sang, mes recherches n'avancent plus, faites vite ! Tiens, tiens. Vous organisez un tournoi ? On se castagne pour quelques pièces. Oui, youps. Intéressant. Le gros Fred va te refaire le portrait. Aboule ton or. Combien ? 25 orins. Expliquez-moi le règlement. C'est simple. Vous vous tapez sur le crâne, le dernier debout gagne. Ah bah écoutez, simple et efficace. 25 orins. Je n'ai pas 25 orins. Ta mère aime sucer des nains. Carrément ? Ah bah écoutez, nickel. Ça a l'air d'être vraiment des mecs bien ceux-là. Salutations, étranger. Vous me rappelez quelqu'un ? Qui ça ? Le célèbre sorceleur, Gérald. Le loup blanc. Vraiment ? La ressemblance est troublante. Cheveux blancs, glaive dans le dos, comme dans les balades. Oh là là, mais quel esprit de déduction. Quelle coïncidence. On doit souvent vous prendre pour Gérald. Une provocation dite de commentaire YouTube. Ces chansons doivent être populaires. Maître Jasquier, le plus grand des bardes, chante ses balades depuis des années. Qu'avez-vous dans votre répertoire ? Chanterai-je pour vous, seigneur ? Au revoir. J'ai pas envie qu'il chante. Je suis pas hypé par sa chanson. Est-ce que je parle à un vieux paysan ? Avant, je nettoyais les égouts de Vizima. Mikul le garde collectionne les trophées de chasse. J'ai le choix à parler entre un ivrogne, des vieux paysans, c'est génial. Vous accueillez toujours les étrangers aussi chaleureusement ? Pareil, tous. La bête nous aura tous. Ravi de cette conversation. Faut fêter ça. Ah. Alors, c'est intéressant, il y a même du gameplay pour boire. Vous pouvez boire de l'alcool avec des personnages pour obtenir des informations. Cliquez sur l'icône de la shop pendant les dialogues pour choisir une boisson. Les personnages ont souvent des préférences très marquées et n'acceptent de boire que leur boisson préférée. Attention, si vous buvez plus que votre adversaire, vous risquez de perdre connaissance.
Bah écoute, j'ai de l'alcool, là j'ai ça, hein. Je sais pas ce que c'est ça. Il me donne pas d'infos là. On se met en colère. Tiens, bois avec moi. Bon bah écoutez, ça sert à rien. Il me reste qu'une bière. Je parie que vous avez de la chance au dé. Je connais les règles. Je ne suis pas un tricheur. Je vous propose une partie honnête. Pourquoi me choisir moi? Le risque ne vous fait pas peur. J'aime ça chez un adversaire. Ma bourse est aussi vide que le soufflet d'un forgeron. C'est mis du gameplay bourré. Je connaissais un chasseur qui aimait jouer, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Vous avez dû le laisser aussi nu que les fesses d'un bébé. Seules les mises importantes l'intéressaient. Mais les dés étaient contre lui. C'est avec bourré qui passe. Qui est ce chasseur? Jamais vu quelqu'un avec une telle poisse. Il a perdu une fortune. Faites attention. Il réclamera son or quand il reviendra. J'en doute. Il doit avoir de sacrées dettes. Vous gagnez bien votre vie avec vos dés? Ça dépend de ceux qui jouent. Évidemment, Vizima compte plus de parieurs. Et où peut-on faire une bonne partie à Vizima? Si votre bourse est pleine, au Nouveau Narakort. Il y a aussi l'ours poilu, si vous avez du cran. Adieu. Ok, conversation très très intéressante encore une fois. Ah voilà, fallait que je parle au tavernier. Il y a un petit cochon qui est en train de se faire griller. Une bière. Les vôtres ne sont pas bienvenus ici. J'ai demandé une bière. On est à sec. Bien. Quel enfoiré. Voyons ce que je peux vous trouver. Merci mon bon. Finissez votre bière, on ferme. Tavernier, vous allez me mettre en colère. Ce n'est pas ce que vous voulez, si? Non. Bien. Je vais m'occuper de mes affaires. Vous voulez quoi? Je suis un sorceleur. Par le feu éternel. Vous avez du travail pour moi? Non. Mais demandez au révérend. Je n'ai même pas vu le révérend. Parler. Merci Dress, Kipo pour le follow, bienvenue. Pourquoi cette triste mine? Ah, petite cocotte derrière. Même pas pour Saint-Corin? Ah, pour Saint-Corin, je veux bien embrasser un barguest. J'ai pas assez d'argent. Adieu. Putain, c'est la merde. Bon alors du coup, il est où ce révérend là? Incroyable, je l'ai pas vu ici. Il est peut-être pas... Attends, je vais sortir. Je pense qu'il est pas là en fait. Bon, je vais pas voler les trucs. Déjà que les gens m'aiment pas ici. Alors. Voyageur, mercenaire. Là, il y a l'air d'avoir une maison. Il n'y a pas de porte. À l'église, bah, tu crois que c'est une église ça? C'est une église ça? Soyez sur vos gardes. C'est la taverne. Mais il y a pas une porte d'entrée là? Attendez. C'est quoi le bouton pour voir tout? Voilà. Soyez sur vos gardes. Entrée de la taverne, mercenaire. C'est bizarre. Je vais parler au mercenaire au moins. L'ordre de la Rose Ardente doit nous envoyer des renforts. La crypte grouille de monstres. Ils disent rien d'intéressant. Salut. Et puis le gars. Quand la bête va venir. L'église est plus loin sur la carte. Ah d'accord, c'est pour ça. Du coup, faut que je sorte dehors. Mais là, les gens, enfin, il fait noir et tout. Moi, je sors pas dehors. Hein. Les portes de Vizima sont fermées. Le feu éternel protège pas les plus. L'ordre de la Rose Ardente. Personne sait quand la bête. Ça va bien, mais là, je sais pas quoi faire. Bon, écoutez, je retourne juste dans la taverne vérifier si j'ai pas oublié un truc. Médite. Mais ouais, mais je sais pas où méditer. Ah, peut-être au feu là, je peux. Attends, je vais parler au gamin, voir. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? J'ai donné un coup de main. Merci Tachine pour le follow, bienvenue. Tu attends que ta famille vienne te chercher? Non, ils sont tous morts. Mais tu sais qu'ils sont tous morts, en plus je suis con moi. Je les connaissais pas bien. Je les connaissais pas bien, bah nickel alors c'est pas grave. Tu voulais me demander quelque chose? On a déjà tout dit. Nous parlerons plus tard. Je voulais toucher le feu en fait. Ah je peux pas. Je suis obligée de condamner à regarder ce...
cet animal mourir. Merci Néant pour le sub, merci beaucoup. C'est très gentil, tu deviens un potier à temps, merci. Bienvenue. La mère aime sucer des nains. Ah, je peux pas les combattre, je peux juste... Je peux juste me faire insulter. Super. Et merci encore Néant. Bon bah écoutez, je vais faire les derniers dialogues avec lui. Faut payer le tavernier pour méditer, mais j'ai pas d'argent. Vous n'avez pas l'air d'être d'ici. Encore une raton ? Je viens d'assister à une importante convention d'alchimistes, pyromanciens et géomanciens à Oxenfur. Mais quelle cité magnifique et le berceau de la science. Je n'en doute pas. Votre convention a donné quelque chose de précis ? Une expérience fascinante. J'y ai présenté mes conclusions sur précis. On n'attend rien de précis d'une convention. Je ne suis pas sûr de vous suivre. La science est comme un grand fleuve plein de courants, de tourbillons et de hauts fonds trompeurs. Aucun caboteur ne connaît tous les secrets du fleuve. Il navigue jusqu'au port et partage son savoir avec les autres caboteurs. Et se saoule et dépense son argent au bordel. D'accord. Je vois mieux le genre de convention. La science est comme un fleuve... Pardon, je m'étais abîmé dans mes pensées. Donc, vous rentrez à Vizima. Oui, mais cette quarantaine me contraint à prendre mon mal en patience à la taverne. Des expériences cruciales m'attendent, et où suis-je ? Assis dans un bouge à boire de l'alcool. De l'alcool frelaté, qui plus est. J'ai fait parvenir un message à un de mes amis, un alchimiste lui aussi. Lui seul peut m'avoir un sauf-conduit. Eh bien, bonne chance. Merci. Il faudra bien qu'il me laisse passer. Je voulais vous parler d'alchimie. Enfin quelqu'un qui a de la conversation. Et moi qui craignais que les gens d'ici ne s'intéressent qu'à leur banal quotidien. D'abord, je ne suis pas du coin. Ensuite, si tous les paysans se tournaient vers l'alchimie, il n'y aurait plus d'alchimistes, car nous crèverions tous de faim. Ah, d'accord. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Sorceleur, l'alchimie est la mère de toutes les sciences, car elle permet de comprendre le monde. Tout ce qui vous entoure repose sur cette alchimie que vous tournez en dérision. Votre corps produit en permanence des réactions alchimiques. Quand vous mangez, respirez ou allez à la selle, en outre, elles sont à l'origine de vos pensées et de vos sentiments. L'alchimie, c'est la vie. Changeons de sujet avant que les paysans ne décident de nous jeter au bûcher. Nul ne peut bâillonner la science. Mais bon, que désirez-vous savoir ? Changeons de sujet. Non, je me suis mis clic. Putain ! Je voulais vous parler d'alchimie. Enfin, d'abord, je... Ah, votre... Changeons de... Nul. Les formules m'intéressent. Les formules prêtes à l'emploi sont rares et chères. Je vous encourage à expérimenter varier les formules que vous connaissez déjà. La plupart des gens sous-estiment l'importance de la méthode empirique. Oui, oui, la méthode empirique, bien sûr. Si vous comptez vous procurer les ingrédients tout seul... La recette du champomis, bordel, mais parle ! Parle ! ...et des descriptions des ingrédients d'origine végétale et animale. Vous pouvez aussi faire appel aux marchands, mais ils sont hors de prix. Pour les tissus de monstres et l'organite... À votre place, je ferai appel à un chasseur ou à un sorceleur. Comment fabriquez-vous vos bases alchimiques ? Il vous faut un équipement adéquat pour obtenir ce bon distillat. Personnellement, j'utilise un ataraxique combiné à un alambic et équipé d'une colonne. Non, mais je compte pas sortir, je sais, sinon je vais mourir. Faut que j'attende le jour, mais j'ai pas d'argent. Je vois. Recherche sur le terrain. Olaf doit avoir une vodka correcte ou de l'alcool qui pourrait servir de base alchimique. J'ai mis la difficulté des noobs. Changeons de sujet. Mais nous venons de commencer. Vous demandez toujours aux gens la permission de les examiner ou de les autopsier ? Bien sûr que non, mais vous êtes un mutant. Une évolution rendue possible par la science, artificiellement. Ça explique tout. Ne m'en voulez pas. Je suis curieux de profession. Tu crois que je peux méditer devant l'auberge ? Je sais pas. Je vais essayer, hein. Ah, le feu de camp à l'extérieur. Bon, bah parfait, je vais essayer alors. À
Allez, c'est parti. Ah oui, il est là. Peut-être celui-là, ça marche. Parfait. J'aurais pas fait attention. Je vais aller prier au temple du feu éternel. Allons-y. Ok. Nouveau talent acquis. Ah, j'ai monté des levels. Donc là, on va attendre l'aube. C'est parti. Ensuite, on va sortir du coup. Non mais en facile, je serais capable de crever. Quand même. Salut Docteur Skill Loki. Désolé pour toi, tu as tout loupé. Alors la sortie, s'il vous plaît. Je peux partir ou c'est quarantaine Non, c'est bon. Ça pleut tant que ça. Le roi Foltest a encore augmenté les droits de douane. Tu sais quoi, c'est un chat? Un chat tigré. Ok. Ah, ça marque où je suis. Ouais, alors là, maison d'Abigail, crypte, maison du révérend. Bon, écoutez, on va aller par là, on verra. Hein. Domestique-le, bah je sais pas comment. Maison abandonnée. Abandonnée carrément? Pourquoi est-ce qu'elle sera abandonnée? À cause des... Il y a des petits rats en effet. Apprends-lui à défoncer des monstres. Mais il y a des cadavres et tout, c'est trop bizarre ces maisons là. Un chat de combat, tu peux prendre plein d'ingrédients dans les buissons ou les plantes. Bah oui, mais j'imagine que ça s'affiche. Après peut-être que je suis passée trop vite en effet. Mais tout le monde est décédé. On peut même pas looter. Ah. Vous pouvez le vendre ou le donner à une femme. Châle rouge. D'accord, très bien. C'est Jean-Henri apparemment le châle. Très très bien. Ah, il y a des panneaux. On comprend rien ce qui est écrit dessus, c'est nickel. Les marchands ont disparu, il y avait des marchands là. Ils se sont téléportés. Merde, je suis revenu en arrière comme une con. Je vais aller en face. Je suis perdu. Cabane de sorcière. Ah bah ça a l'air nickel. J'espère qu'elle fait des incantations, je sais plus ce que je dis. J'utilise plus les bons mots, ça y est, c'est la fin. Ah, j'ai trouvé des myrtilles et tout, trop bien. Allons-y, rentrons chez elle. Quoi? Elle aussi, elle est décédée? Un anneau? Ah bah écoutez, je vais le mettre à mon doigt juste pour faire genre. Sinon, je peux le vendre ou le donner à quelqu'un. Je suis sûre que je peux draguer de ouf avec ça. Avec le châle et l'anneau là, oh là là. Ça va pécho. Le silex par contre, c'est pas sûr. Les dessins de chargement, ils sont jolis quand même. Ils sont trop mignons. Oh, mon bide. Qu'est-ce qui lui arrive? Lance, maudite sorcière. Oh. Je peux rien lui faire, ok. Oui, oui, halt, je vois les trucs lootables, ouais. Ça alors, un sorceleur? Bienvenue. Qu'est-il arrivé à cet homme dehors? De nombreux clients réclament des fantaisies que je refuse de satisfaire. Je suis une sorcière, pas une putain. Ah, je bravo. Je n'oublierai pas. Ne crains rien. Je ne suis pas une méchante femme. Il se remettra. Bien fait pour sa sale gueule. Que puis-je pour toi? Puis-je poser une question? Oui. Oui. Est-ce que votre magie viendrait à bout de chiens fantômes? Un glaive n'y suffirait pas? On dit que les sorceleurs en ont deux. Un en argent pour les monstres et un en acier pour les humains. Les deux sont pour les monstres, mais il me manque celui en argent. Je connais un onguent. Si tu en recouvres ta lame, tu infligeras d'importantes blessures. Putain, mais c'est cher la formule. Ce sera 30 orins pour la formule. Salut macabre. Ah, c'est la méditation gratuite chez elle, d'accord. Peut-être une autre fois. Que puis-je pour toi? J'ai trouvé votre message. Tu as les crânes de Barghest? Pas encore.
Alors fais vite. Ah, oh, c'est elle qui veut les crânes, d'accord. À quoi peut bien servir cette poupée? Quelle poupée? Ça ressemble à quelque chose d'humain, fait au akum et de cire. Je me demande dans quel but la sorcière l'utilise. J'ai même pas envie de savoir. Un châle rouge que je vole à une femme pour offrir à une femme. Ah oui, il y a encore un livre. Attendez, faut que je les lise les livres, c'est ça l'histoire. Ok. Et du coup là je peux le jeter? Maintenant que je l'ai lu. Parce que sinon c'est chiant. Je jette. Je jette la culture, je lui offre. Apparemment on peut tout prendre chez les gens, on n'est pas chez sur Skyrim là. Là j'ai appris des formules. Ça vaut toujours quelque chose les bouquins. Bon bah je garde alors. Ça c'est mes contrats donc je peux garder. Ok. Bon on va taper les culs. Les bouquins se revendent. D'accord oui mais non mais en fait c'est le truc c'est que je me souviendrai pas qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai... Ça va être terrible ça. Alors sur la carte par contre je suis où là? Je pense pas qu'il faut que j'aille vers là. Faut que je fasse demi-tour vers les maisons abandonnées et que je revienne à gauche. Salut Darkerio. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ah mais arrêtez! Quoi? Je me prends deux fois la barrière, y'a rien. Très bien. C'est un joli jardin potager que vous avez ici, disons. Ah oui, d'accord, mais en plus il va falloir que je vérifie les bouquins que j'ai déjà lus et tout, mais ça va être l'enfer. C'était passé par là. Si je passe par là, c'est bon? Ouais, ça a l'air d'être ça. Il y a de la souffrance dans le gameplay, ouais. Peut-être. Mais c'est que Shani ne peut. Dommage. Ah mince, mais on l'a déjà vu du coup, j'ai cru que. Ça me revient. Gérald, ils se ressemblent tous les persos du coup. Je vous avais engagé à Novigrad pour me débarrasser de Garquin. Si vous le dites. Je n'avais pas les moyens, mais vous m'avez quand même aidé. Je devais être plus altruiste à l'époque. Mes affaires marchent bien. Il y a pas mal de clones, mais à ce point-là. Je ne cracherai pas sur de l'or. Voici 100 orins. C'est Cloneland. Voici 100 orins. Il m'a donné 100 orins. Quoi? Attendez. C'est peut-être dans mon journal de quête. Garde de Wizima, les habitants. Il me les a donnés ? Ah oui, il me les a donnés. Parce que j'avais fait le job, c'est ça ? J'ai pas écouté. Mon cerveau, il a planté. C'est bon, je vais du bon côté. C'est quoi ça ? Il t'a payé pour un vieux contrat que t'as fait avant le jeu, ouais, c'est ça ? C'est l'argent gratuit, bah je prends, écoutez. On va pas cracher dessus, hein. Si, si, mais j'étais pas sûre d'avoir bien écouté, du coup. J'ai eu un bug de cerveau. Là, je commence à fatiguer, il commence à être tard, quand même. Alors, j'ai pas déjà été là? Si, on va continuer par là. Je me perds après dans le jeu, en plus. Ok, alors là, il y a plein de paysans. Faut que je parle aux paysans. Une innovation. Cette sorcière lubrique. J'ai fait ça très rare. La sorcière lubrique. Abigail vend des ongans contre les furons. Cet enfoiré de Miku, là, on pourrait essayer de me coincer. Cet enfoiré de Miku, là, on pourrait essayer de me coincer. La sorcière. Je veux un glaive pareil que celui-là. Je veux un glaive pareil que celui-là. Putain, les voix qu'ils ont fait aux gosses, je les reconnais toutes, quoi. C'est trop bizarre, ça.
Bah je suis fatigué, j'ai pas le droit. Attendez, lui je vais parler ou pas? On va rentrer chez lui. Enfin chez lui. Je sais pas, il est devant la porte, c'est peut-être pas chez lui. Hein. Cette sorcière lubrique, elle a jeté son dévolu sur moi. Mais arrête de faire genre, c'est parce que ta femme que tu dis ça. Je t'avais pris pour un bandit. Ouais bah j'aimerais bien te voler ton poulet mais... Ah trop bien, j'ai trouvé un bouquin. Inventaire. Ça a rajouté le noyeur, très bien. Bonne nuit Nakalolo. Là j'aimerais bien taper des culs quand même. Cette sorcière lubrique, Abigail. En fait, ils sont plusieurs à dire ça, c'est tout. Cette sorcière lubrique. Mais ils disent tout ça, mais j'en peux plus. Abigail vend des onguents contre les furons. Alvin est un petit voyou, mais je l'aime bien. Laissez-nous en paix. À quoi pensiez-vous? Pourquoi elle a une voix de jeune quand je lui ai donné un châle? LOL! Un vrai plaisir. À bientôt, j'espère. Bah oui, à bientôt, bien sûr. Je fouille toute ta baraque et après je reviens, t'inquiète. Quand tu veux, pas de soucis. Alors merci, je suis sous d'autres des nains. Tous les PNJ sont au courant que Maudit est une sorcière lubrique. C'est ça, c'est... je comprends pas ce qui se passe. Mais... Ok, c'est bon. Je... Ah, là, il faut que j'interroge les gens des faubourgs. Un vrai plaisir. Ok, parfait. Allons-y. Donc là, il y a l'église, donc il va y avoir le révérend. J'ai trouvé, enfin! Ah, cinématique. Il vient m'agresser avec sa fourche. Vous êtes quoi au juste? Je suis sorceleur. Je suis un connard. Et nous, on est la milice. Je vais te tuer. Faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas malade. Je suis touche-moi, immunisé. Tu vas voir. Il m'eut quoi? Salut, Mister Doogie. Faut qu'on vérifie. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue. Vous êtes dégoûtant, mais la santé, ça va. Allez-y. Bon vent. Mais c'est quoi ce dialogue? C'est une blague? La milice avec des fourches. On maintient l'ordre de quoi? Faudrait pas qu'un monstre se ramène. C'est vous le loup. Faudrait pas qu'un monstre se ramène. Bon, je vivais à Ouzima. Quelqu'un vous a envoyé chez vous? Et Frozotitch qui offre un sub à Bacabre. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est l'esprit de Noël. En janvier, toujours. Bravo. Merci beaucoup, Frozen. Je ah là là. T'inquiète pour ma petite fille. Il est tard. Et elle n'est pas rentrée. Bah parfait, je te vole ton silex alors pendant que tu t'inquiètes. Pas de soucis. Il dilapide tout son fric. Waouh. C'est verrouillé, mince. Non mais moi j'ai pas joué au 3 donc ça va. Je suis pas trop choquée. Le frère Dodo nous avait dit... La peste a tué beaucoup d'animaux. Je dois trouver de quoi nourrir mes enfants. Je n'ai pas le temps. Salut Shikimistone. De quoi nourrir tes enfants? Je peux t'offrir du poulet. Du poisson. Je ne connais guère que de vieilles fables. Je serais ravi de les entendre. Mes petits-enfants aiment mes histoires sur les noyadés. Comme celle de la fille du meunier qui accrocha une pierre à son cou et plongea dans les profondeurs. Elle s'est suicidée, quoi. Quand quelqu'un se noie à cause d'une grande passion, il revient sous la forme de noyadé. La nuit... La fille du meunier persécutait le les 1, vivants jusqu'à ce que l'ordre de la rose ardente lui donne le repos éternel. L'ordre de la rose ardente élimine les monstres? Ces chevaliers nous protègent gratuitement. C'est de la concurrence déloyale? D'accord.
Bon bah il faut faire des pots de vin pour avoir des informations apparemment dans ce village. Autrefois, les gens appréciaient les fleurs. De nos jours, je suis la dernière. Il y a l'autre qui prie derrière. J'ai vu de nombreuses fleurs en chemin. Oh, apportez-moi un petit bouquet de fleurs sauvages. Je vous donnerai des tulipes en échange. Je tâcherai d'y passer. J'arrête pas de pousser les gens, oui. Quelqu'un vous a envoyé chez Odo ? Vraiment ? Avec tous ces sous, il fallait bien que ça fonctionne. Je peux plus rentrer chez... dans la chapelle, mais... Je veux parler au révérend ! Au secours ! Je ne crois qu'en le feu est... Quand est-ce que les portes de la cité vont rouvrir ? Hier, les noyadés ont encore enlevé un enfant. Et le grand maître est passé avec sa suite. Le révérend veut qu'on... Protégez-nous de la mer. Mais parlez-moi ! J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Oh là là. Les hommes près du temple. Faudrait m'expliquer pourquoi ils n'ont pas expulsé. La peste infecte encore les maisons. Ah, la maison du révérend est là. Ça y est. Ah oh bah il se met bien, lui il a de la bouffe hein. TKT. Un escalier qui descend. Oh, de l'alcool. Ok, j'ai appris une prophétie ensuite. Ah, c'est du vin rouge. Toujours loot l'alcool, ouais. Faut que je trouve des monstres là. Mais il est où le... Ce révérend, quoi. Moi, je voulais juste venir lui parler et je voulais pas piller sa maison à la base. Je voulais pas que ça se passe comme ça! Y'a rien ici, c'est quoi cet endroit? Très bizarre. Les sorceleurs sont des rustres. À qui on... Demandez au révérend de présage. Genre, y'a de l'argent dans des tonneaux comme ça en plein milieu. Ah, d'accord. Protégez-nous de la bête. Si, j'ai pris le vin rouge, j'ai tout pris. Je préfère pas savoir où l'épicière trouve sa viande. Autrefois. Putain, faut que j'aille ramasser des fleurs. Bon, bah allons-y. J'ai vu de nombreux. Oh. Je. Faut que j'aille faire ça. Je pense qu'elles me donneront des infos comme ça. Ne va pas te faire tuer. Me faire tuer carrément. J'ai rien à dire. Juste parce que je l'ai poussée, parce que je cours trop vite pour elle. Qui est-il ici? Merci UTF pour le follow. What? Je peux avoir une torche? J'abandonne la dague en fer pour une torche. Les allers-retours dans ce jeu, une éternité. Non mais je peux aller chez la sorcière méditer. Monstre ou pas? Bon alors attendez. J'ai vu de nombreuses fleurs en chemin. Je vais m'en occuper. Faut que je ressorte, du coup c'est où pour partir? C'est là. Non mais attendez, là je vais à un endroit où j'ai jamais été. Où y sont les orphelins des maisons? Sauvez-nous de la bête. Putain, arrête avec ton dialogue de merde sur tes fleurs. Ah là il y a un feu. Ça reste que je trouve pas les fleurs où qu'il faut prendre. Hein. Tonneau, feu de camp. Dehors de verrouillé, tonneau. Dehors les non-humains, aux femmes humaines, là. Je vais t'arracher les yeux. Carrément. Je sais pas ce qui se passe ici, mais je suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce nain? Lui raser la barbe, que ça peut te faire? Mais ça se fait pas. Je vous conseille de partir calmement. Un défenseur des non-humains. Rengainez votre arme. Il a des problèmes avec ce PC. Tuez cet hérétique. Vous l'aurez voulu.
J'ai décidé d'intervenir entre les racistes et le nain. C'est beau, non? Allez! Merci de m'avoir débarrassé de ces chiens. Mais... Gérald, que je sois foudroyé sur place. Ça ne va pas? Un vrai sorceleur. Il meurt, il ressuscite, personne ne l'a vu depuis 5 ans, et il me demande si je vais bien. Qui êtes-vous? Tu as bu? Je suis ton ami, Zoltan Chivet. Où étais-tu passé? Je ne sais pas. Peu importe. Je ne sais pas, je suis très heureux parlant. De te revoir. Vous ne comprenez pas, j'ai perdu la mémoire. Tu sais quoi, Gérald? Allons boire une bière et puis tutoie-moi, s'il te plaît. Éclaircis-toi les idées et certains souvenirs te reviendront peut-être. Quelque chose ne va pas? Mon ami devait me retrouver dans ce village, mais il n'est jamais venu. Tu penses qu'il a eu des ennuis? Ça ne me surprendrait pas. Il est avec les écureuils et s'occupe du ravitaillement avec les avécars. Les écureuils et les avécars? Les écureuils sont des non-humains qui réclament la liberté et l'égalité en tuant des gens dans la forêt. Et les avécars sont des marchands qui vendent des armes aux écureuils. Je vois. Je ne suis pas le bienvenu ici. La rumeur veut que les non-humains soient responsables de la peste et de la bête. En d'autres temps, je serai en train de chercher mon ami. Je te préviendrai si j'apprends quelque chose. Merci, mon ami. Parle-moi des écureuils. Ces petites frappes non humaines, gavées de lectures romanesques, luttent pour des idéaux à la noix. Pendant la guerre contre Nilfgaard, Emphyr les a manipulés pour plonger les royaumes dans le chaos. Comment vas-tu? Je compte ouvrir un commerce à Vizima, en apportant des marchandises de Mahakam. Les Breckenrigg veulent me forcer la main. De Mahakam? Il y a de l'argent à se faire? J'espère bien. J'ai investi pendant la guerre. Comme on dit, l'argent est fait pour circuler. Bien sûr. Et tu avais du talent pour ça, non? Gérald. Comment vas-tu? Je compte ouvrir un commerce à vie. Les Breckenrigg? Je compte épouser Eudora Breckenrigg. Mais ses parents exigent que j'ai une bonne situation. La mine de la cause commune où j'ai travaillé après la guerre a été un échec retentissant. La mine de la cause commune. Je dois partir. On se revoit plus tard. Ok. Ah, j'ai eu un article de quête, tiens. Ouais, ça parle de faction, je comprends rien. C'est pour acheter. Va voir, Brock. On est sur le territoire. Bonne nuit, Néant. Je donnerais un bras pour aller à l'ours poilu. Et merci encore. Des bisous. Oh là là, je suis perdu. Je suis perdu, du coup, je vais piller tout le monde. Voilà. Je voulais trouver des plantes. C'est un super jeu de rythme, ouais, c'est ça. J'ai vraiment du râle t'aimer les nains. Mais arrêtez avec ça! C'est une insulte, c'est pas la vérité. Il faut que tu aies une encyclopédie pour apprendre les fleurs en question et les cueillir. Oh! Mais ça change tout! Damned. Je déteste la scoétrie. Où ils sont? Qui est-il ici? Bienvenue. Oh, ces muscles. Arenbrog. Salut, Chutnik. Marchand et intermédiaire à votre service. Quel bon vent vous amène? Qu'est-ce que vous proposez? C'est le révérend qui vous envoie? Évidemment. J'ai du mal à vous croire. Pour qui vous vous prenez? C'est le révérend.
Putain, il me fatigue. Non. On n'aime pas les étrangers. Passez votre chemin. Va falloir que je revienne. Merci RMD pour le follow. Heureusement qu'ils ont la mémoire courte et qu'à chaque fois ils vont me redemander. Hein. Oh là là. Foutu non humain. Tu cherches les ennuis. Oh, je vais vomir. Carrément. Tu vas vomir juste parce que je suis là, ben dis donc. Il t'en faut peu, hein. Je peux pas passer par là. Oh là là. Je suis en train de me perdre. Je donnerais un bras pour aller à l'ours. Mais ça, j'ai déjà été. Je commence à tourner en rond, les faubourgs de Wiziba. Bon, en tout cas, j'aurais sauvé un nain, c'est déjà pas mal. Qui s'avère être mon poteau. Oh, je vais vomir! Bon bah écoutez, je vais faire demi-tour, de toute façon il va faire nuit là, non? À moins que je puisse traverser le pont. Il y a un garçon pauvre à qui je peux aller parler sinon. Ils vont peut-être pas me laisser rentrer, hein. Les portes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Mikul laisse entrer les moines et les gens qui ont des sauf-conduits. Bon bah tant pis. Mais j'ai pas vu de feu dans ces faubourgs en fait, c'est pour ça. Je suis pas sûre que je puisse méditer. On va être mouillé. Ouais bon c'est pas grave ça. J'ai l'habitude TKT. Le révérend veut qu'on paie. J'ai rien à dire. Monstre ou pas, tu pourrais te rendre utile. Vraiment ? Je suis déjà venu ici en fait. J'ai pas vu les exécutions qu'ils avaient. Ah, le révérend est là! Disparaissez, engeance du démon! Je veux simplement discuter. Je ne vous dirai rien. Je cherche la salamandre. Ils sont censés être ici. Ils nous tueraient à cause de vous. Je saurais témoigner ma gratitude. À quoi pensez-vous? Une bête vous cause des soucis? En quoi cela vous concerne-t-il? Je suis sorceleur. Je peux vous aider. Un autre sorceleur est passé il y a peu. Un certain Berengar. Il a promis de tuer la bête. Mais il a détalé en l'entendant hurler. Je ne suis pas Berengar. Si vous voulez gagner ma confiance, faites briller la lumière du feu éternel. Il y a 5 chapelles autour du village. Okay. Le feu n'effraiera pas la bête. Ce n'est pas un chien errant. Le feu éternel, blasphémateur! Oui, la taille de sa bouche, sa c'est ça! La puissance effraie les bêtes, puisqu'il est dit: bien que son âme soit obscurcie et son visage celui de l'horreur, ne le condamnez pas, car il portera le flambeau de l'espoir au cœur de la nuit. Et aussi, vous ne serez en sécurité que dans la lumière du feu éternel! Ça vous coûtera 100 orins. Qu'il en soit ainsi. Mais le feu éternel doit illuminer les 5 chapelles la nuit venue. Je cherche des hommes portant des écussons en forme de salamandre. Voilà qui est imprudent. Pourquoi ? Éveillez leur courroux et vous visiterez l'au-delà très vite. Je n'ai pas peur. Un autre sorceleur est venu ici avant vous. Lui aussi affichait la même témérité arrogante. Et où est-il à présent ? Il s'est enfui. À chacun son chemin. La salamandre chacun son chemin. Waouh, quel philosophe. Le village a de bonnes raisons de la craindre. Vous devrez tous nous convaincre. Que dois-je faire? Moi, je me satisferai de la mort de la bête. Quant aux autres, allez voir Odo, Mikul et Aren. Vous pourrez peut-être résoudre leurs soucis. Les sages du village, en quelque sorte. Les habitants les connaissent et les respectent. Odo est riche. Aren est un marchand et Mikul, un garde de la cité. Gagner leur confiance, c'est gagner la confiance de tout le village. C'est à voir. Attendez. Ils voudront savoir si c'est moi qui vous envoie. Montrez-leur cet anneau du feu éternel. Ok, parfait. Maintenant, je peux montrer la chevalière. Oui, ça va, THSTV. Amuse-toi bien, des bisous, bonne nuit. Salut Atlas Nova. Ah, j'espère que t'es pas trop fatigué. Alors, du coup, je vais essayer de faire ça. Si un personnage reconnaît la chevalière, il sera plus amical à votre égard. Bien sûr, la chevalière mal choisie peut
aussi tout bien offenser le personnage. Je me souviens plus à qui, il faut que je la montre. Putain, ça craint. Faut que j'aille allumer dans les, la flamme dans 5 chapelles. Oh là là. Ah non, là j'ai pas d'énergie pour un plein texte. Attends, je vais aller voir bord machin là. Celui à qui j'ai montré ma main alors que j'avais rien. Merci Seigneur Elbeigne pour le follow, bienvenue. Alors attendez, c'est ici non? Sa maison? Je me souviens plus. Non, c'est pas ça. C'est juste à côté alors. Putain, mais c'est bourré de malfrats quoi. Ah oui, maison d'arène. Voilà, c'est lui. Salut Boubito. Alors attendez. Normalement là, ça doit être bon. C'est le révérend qui vous envoie? Évidemment. J'ai du mal à vous croire. Alors? Pour qui vous vous prenez? Pourquoi ça marche pas? Putain, pourquoi ça marche pas? C'est le révérend qui vous envoie? Évidemment. J'ai du mal à vous croire. Ouais, je vais laisser le truc qui était prévu. 40, c'est beaucoup, non? Étrangers. Passez votre chemin. Putain, est-ce qu'il a pris mon argent quand même? Non, c'est bon. On n'aime pas les étrangers. Passez votre chemin. Ça marche pas! Tant pis, je lui vole un livre du coup. Ah non, j'avais pas mis la bague avant toi! Putain! C'est juste ça! Mais quel con! Heureusement qu'il m'a pas volé mon argent quand même. Je me fatigue toute seule là. C'est le révérend qui vous envoie? Évidemment. J'ai du mal à vous croire. Voilà. Là, il va être heureux. Par le feu éternel. Un cadeau du révérend? Le révérend m'envoie. Il pense que vous avez besoin d'un sorceleur. C'est vrai. Les morts sortent du fleuve la nuit. Aidez-moi! Le prix importe peu. Je vous aiderai en échange d'informations sur la salamandre. Et 200 orins pour couvrir mes frais. Chercher la salamandre, c'est chercher les ennuis. Mais ça me regarde pas. J'accepte. Okay. Saleté de mort-vivant. Ils effraient la clientèle et détruisent mes caisses. Et cette cargaison est prévue pour un client très particulier. Où est-ce que je trouverai ces noyeurs? Au bord de la rivière. Ils sortent à la nuit tombée. Il va falloir que je les défonce. Hein. Sorceleur! Oh, il a dit 200. J'ai trouvé ces drôles de dés. On dirait de l'artisanat de nains. Pas ici! Vous allez nous attirer des ennuis. Vous avez peur d'une boîte? Avec toute votre contrebande? C'est l'instinct de survie. Le révérend déteste ce jeu. Vous savez de quoi il s'agit? Non. C'est clairement pas l'œuvre d'humain. C'est diabolique. Les nains en sauront sûrement davantage. Merci, au moins pour ça. Ok, bah parfait. On va tuer les noyeurs sur la berge dès que la nuit tombe. Alors maintenant, si je fais J, je dois tuer les noyeurs sur la berge, je dois convaincre Odo, Arène. Et ça, je peux pas suivre sur la carte. Faut que je commence par Arène, peut-être. Odo, c'est qui? Il est où Odo? Là, il y a une chapelle. Crypte. Faut que j'aille faire. Je vais essayer d'aller faire les chapelles au pire.
Ne plus suivre. Voilà, on va allumer le feu sacré dans les chapelles. C'est une chapelle, ça, peut-être ? Je sais pas, attendez. Je suis rentrée ici ? Oh là là, je sais plus ce que j'ai fait comme baraque ou pas. Il faudrait faire une croix sur la porte. La quête des noyés, attends, il faut qu'il y ait l'heure qui arrive. Là. Non, c'est pas du tout une chapelle, ça. La quête des noyés, faut qu'il fasse nuit. C'est nul ! Et moi, je suis pas du tout un voleur. Allez, tcho! Et les allers-retours m'ont tué. Ah. Il n'y a pas des téléportations, ouais. Mais où est cette foutue chapelle? Ça me dit que je suis dessus, là. Regardez, il y a écrit chapelle. Ah non, elle est à l'intérieur peut-être. Non, marchandise là maintenant, c'est plus une chapelle. Pff, je comprends rien, bon on va aller voir là-bas. Salut Tacostacle. Oui, c'est le début. Pas de TP, pas de cheval. Même pas de cheval. Mais quoi? Je suis au pont des marchands, regardez-moi ça. Je vais aller à la chapelle. Poué, poué. Ablette. De quoi est-ce que vous parlez? Putain, mais je connais tellement pas le jeu, moi je découvre de A à Z. Il y a une Jeep. Ah bon, bah alors tout va bien alors. S'il y a une Jeep, c'est nickel. Tu attends vraiment 2 heures dans la vie. Au moins, je découvre des nouvelles régions qui sont toujours emplies de pigeons. Ça, c'est vraiment. Ok, alors elle devrait être juste là. Chapelle à. Comment je fais pour l'allumer avec ça? J'ai promis au révérend d'allumer ça cette nuit. Putain, faut que j'attende la nuit. Il y a trop de quêtes à faire pendant la nuit là, merde. Ça c'est quoi ici? La maison d'Abigail, et là il y a une crypte. On peut aller voir la crypte. Hein. Je trouve il y a un truc très intéressant dans cette crypte. J'ai pas de quête dans la crypte, remarquez. Enfin, il me semble pas en tout cas. Mais ça c'est des plantes à ramasser que je connais pas du coup. Oh là là. Le médaillon, s'il est réglé pour détecter les monstres, vous avertit leur présence dans les environs. S'il est réglé pour détecter la magie, il vibre quand vous approchez des sites d'énergie, qui sont ainsi plus faciles à trouver. Pour configurer le médaillon, méditez et ouvrez l'inventaire, puis sélectionnez magie ou monstre. Ah, c'est sympa ça. C'est vraiment pas mal. Vous avez trouvé un site d'énergie, que voulez-vous faire? Bah, je sais pas, on peut faire quoi? Accomplir un rituel de magie. Ça fait quoi? Je sais pas du tout ce que je viens de faire. La pluie s'est arrêtée, c'est tout ce que je sais. Ok, on va attendre que le crépuscule arrive du coup. Méditer jusqu'au crépuscule. Ça te booste des stats, d'accord. Oui, le jeu est basé sur des livres. Allez, je vais allumer les chapelles.
Là, il va me dire, c'est bon, là, il fait nuit, non? Fallait que j'attende minuit, peut-être. J'ai promis au révérend d'allumer ça cette nuit. Y'a un esprit! Du coup, on va aller taper. Vu que c'est le crépuscule, on peut aller taper les noyeurs, je pense. Mais ils sont bien les jeux. Pour une fois qu'il y a des bons jeux sortis de livres. Putain, ça me fait chier franchement de pas pouvoir prendre ces plantes là. Hein. Alors que je me dis c'est important quoi. Ah, quand tu loupes un truc, tu le loupes vraiment? Oh là là. Mais moi j'arrive pas à accumuler toutes les infos. Bon, ils devraient pas sortir là, les noyés. C'est ici, hein. Je suis au bon endroit, non? Putain, mais quelle histoire. J'aurais dû attendre jusqu'à minuit ou quoi? La blague. On va patienter IRL, hein. Je sais pas quoi faire de plus. Bon, bah écoutez, je vais retourner au feu parce que... Apparemment, le crépuscule, ça suffit pas. Je pensais qu'ils arrivaient à la tombée de la nuit. Tu as le feu ici? Ah! Le feu des nains? Je l'ai pas vu. Enfin, le feu où j'ai sauvé le nain, là. Je l'ai pas vu, ça. On va taper les noyés. On va partir sur du fight, quand même. Je me prends les arbres. Mais quel talent. Je vois pas de feu, hein. Ah si, il est là. Il est juste pas allumé. Ok. Bonne nuit, Deikerion. Méditer jusqu'à minuit, allez. On va mettre peut-être 23h. Allez. C'est bon, on peut aller casser des culs maintenant? Ça se passe comment? Les noyés arrivent ou pas? Ah bah il y avait un feu là aussi. Il y a des bruits de chiens. Ça y est, ils sont là. Ça a l'air d'être pourtant le truc lourd qu'il faut faire. Je sais pas. Non. S'ils sont trop rapides en fait. Faut que j'en tue 5 au moins. C'est bon. J'aurais tué 4, non? Il y en a bien qui vont réapparaître. Faut que je chope des cerveaux. Non mais Tolkien, c'est particulièrement incompréhensible. Enfin, c'est particulièrement dur à aborder parce que toutes les descriptions au début. Mince, j'ai regardé le chat, j'ai loupé l'attaque. Ouais, c'est sympa les crabes. D'habitude j'aime pas trop ça, mais ça a l'air sympa. C'est bon? Je peux looter? Je crois que j'aurai assez de trucs là. Thank you.
aller dans l'eau avec lui. J'ai tué tous les noyeurs. Ah, parfait. Non, je vais pas faire le rapport maintenant, j'ai d'autres trucs à faire. Oh! Kedmil Hafkaren. Bienvenue. Nendwan, Essevat Gern. Vous ne nous intimiderez pas, sorceleur. Où est Arenbrog? Il nous a promis des spécialités à Vekar. Je n'aime pas votre ton. Aren ne m'a pas parlé de vous. Je ne faisais que chasser des noyeurs. Vartel Nen, vous n'êtes ni un Ainsaid, ni l'un de ces satanés douanes. Nous Bonne allons prendre Amina. Nos armes et partir tranquillement. Ces marchandises appartiennent à Aren. Désolé, Ainsaid. Mais vous ne toucherez pas à ces caisses. Écoutez-moi bien, Vatkern. Nous faisons partie d'un groupe de 20 elfes. Nos frères sont malades et affamés. Ces caisses contiennent de la nourriture, des médicaments et des armes. Il nous les faut, car nous ne pouvons pas nous rendre à Vizima tous les jours. Je vois ce que vous voulez dire. Bien, nous n'avons pas le choix. Mais vous, si. Donc là, est-ce que je laisse des gens mourir? Ou est-ce que... et je fais loyal dans le mode... je travaille pour lui et tout. Ou est-ce que... je sauve qu'il y a des gens. Ah, oh, c'est chiant comme choix. Je le connais pas, ce gars. Je lui fais confiance comme ça. Je sais pas quoi vous dire, là. À votre avis, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire un, moi. Je vous le dis. Je pense pas que vous m'influencerez en autre chose, mais j'ai envie de faire un. Ah... mais j'ai peur qu'après ça nique mes relations avec le village, quoi. Bon. Bon, bah on verra. Allez, un. Très bien. Prenez les caisses. Nous ne sommes pas des criminels. Nous paierons. Nous avons de l'or, des pots, des plantes. Donnez-moi l'or. Voici l'or. Nous allons prendre ce qu'il nous faut. Nous reviendrons chercher le reste plus tard. Les noyeurs ne devraient plus vous ennuyer. Vafel, Vatgern. Adieu. Putain, quelle merde. J'arrive pas à... je veux juste... bon, tant pis. Je peux pas le fouiller. Allez, c'est parti. Maintenant, on va allumer les feux. Mais range ton arme. Tu vois bien qu'il y a rien. Salut The Kid. J'espère que je vais avoir le temps d'allumer les chapelles là. Ouais, c'est bon, je vais le faire le bon sens. Je sais que j'ai été plus ou moins coincée à cause de cette quête, mais je me souviens plus ce que j'avais choisi. Mais je pense que là je me suis pincée, ouais. Pourquoi ils sont devant la chapelle, c'est con. Je pourrais pas fight les chiens. Ils sont possédés, c'est pas des vrais chiens. C'est des chiens fantômes, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et il s'en prend un villageois là. Et alors? Je suis à côté de la chapelle, vite! J'ai peur qu'il fasse jour, putain. Comment je fais pour sortir de là? Qu'est-ce que je fais? Je voulais juste regarder les restes. Ah.
Alors attendez, j'essaie de faire le truc de la chapelle et après on verra. Oh, je suis enragée. Pauvre petit toutou. Il y a un truc à faire pour la sortir aussi. Ouais. Je suis considérée comme en combat. Ah, il y a une goule! C'est bon là? Vite! Courons! Une goule! Je sais pas ce qu'elle fout là, hein. C'est incompréhensible. Salut Whisky, en effet, t'arrives un peu tard. Première goule, oui. Putain, mais c'est ouf, il y en a partout. Les voyageurs, je sais pas ce qu'il fout là. Hein. Il va se faire bouffer le cul. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient? Bon, bah, si vous voulez. Hein. Enfuyez-vous! C'est ça, oui. Putain, le chien qui chiale, il me fait trop de la peine. Allez, vite, 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 avant que la lumière s'allume là. Ah, le chien qui pop à ce moment-là. Comment tu trouves le jeu? Bah, il est bien, il est bien. Vite, 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 je me grouille. Les combats sont les, les. De quoi tu parles? Allez, protégez-nous les miliciens, là. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de vous. Ouais, il y en a combien, là? Mais il y en a combien? Heureusement que c'est en facile, hein. Ils attendent sagement leur tour, en vrai. Oh, tous les miliciens sont morts, lol. C'est l'enfer, hein. Putain, esquive, maudit. Ça commence à me faire vraiment mal, là. Je vais crever. J'ai des attaques de groupe avant. C'est le C alors? C'est bon, j'aurais tout fait moi. Ok. Ok, j'aurais survécu. J'aurais tué tout le village, j'aurais serait fait démonter, mais c'est pas grave. Mais j'étais en style rapide là, c'est pour ça? Je comprends pas. Pense à te healer. Non mais c'est bon là, quand même. Alors, il est où? Il dort? Révérend, faut qu'on parle. Parlez. J'ai fait briller le feu éternel dans les chapelles. Les monstres nous hantent toujours. Je vous avais dit que ça ne me suffirait pas. Où est mon salaire? Ah oui, votre salaire. La malédiction est plus puissante que je ne le craignais. C'est la faute de cette sorcière d'Abigail. Quelle horrible femme. Elle pourrait peut-être nous renseigner. C'est elle qui a attiré la bête. Ah, c'est la troisième et posture, tous les alors, autres d'accord. Fléaux. Admettons. Mais non, je préfère en quand rapide. Même lui parler. Nous devons savoir d'où est venue la bête. Traquer la vérité. Si vous voulez, pour 300. Il y a un truc esprit groupe, c'est le 3. Notre communauté n'est pas riche. Je vous en offre 200. C'est d'accord. Je dois rendre visite à la sorcière. Bah, je vais la laisser tranquille, la sorcière. Elle est beaucoup moins conne que lui. Hein. Oh putain, ça m'a fait peur. Ah, mais c'est comme ça, il devient possédé en fait.
Je vais aller voir si je peux rendre la quête au mec qui s'est fait voler ses caisses là. Et en plus, et puis après on va s'arrêter. Non mais Abigail, elle a surtout l'air badass. Les sorcières, de toute façon, j'emmerderai pas les sorcières. Sauf si je les hais. Mais sinon, je vais pas emmerder les sorcières. Elles sont beaucoup trop fortes. Salut PNJ12. Mais pour l'instant, ça va franchement le système de combat, je survis. Hein. C'est juste contre les boss, ça va être peut-être la misère mais... Sorceleur! J'ai tué les noyeurs et je suis tombé sur des elfes. Je ne connais aucun elfe. Pourtant, ils vous attendaient. Qui sont-ils? La Scoetel, les écureuils, des résistants non humains. Ceux qui collaborent avec eux sont pendus. Oh, si vous me trahissez, ils vous pendront pour complicité. Je ne dirai rien. Mais pourquoi faites-vous affaire avec eux? Il faut bien gagner sa pitance. En tout cas, j'ai fait mon travail. Je vous avais sous-estimé? Dites-moi, que sont devenus les elfes? Nous avons discuté. Ils viendront avec leurs troupes pour leurs marchandises. Ils prennent des risques en s'approchant autant de Vizima. Si quelqu'un les dénonce... Comment ça? Les têtes de la Scoetel sont mises à prix. Oubliez cette histoire. Voilà votre dû. Je veux juste mon or et les informations sur la salamandre. Voici l'or. La salamandre rançonne les villageois. Ceux qui résistent se font trancher la gorge. Où puis-je les trouver? C'est au révérend de décider ce que vous devez savoir. Moi, je ne me plaindrais pas s'ils disparaissaient. Adieu. Ok, bah en fait, j'ai bien fait de vendre. Parfait. Bon bah écoutez, on s'en est bien sorti. J'ai réussi à gagner sa confiance. Et j'ai fait le bon choix, le choix de la justice. C'est avéré le bon. Bon bah je vais sauvegarder ici. Un emplacement libre ici. On va sauvegarder ici, hop, à 1h07 du matin, et puis je vais m'en aller. On se retrouve demain à 22h pour la suite du jeu, je sais pas ce que vous en pensez. Quittez, on va revenir sur le menu. Voilà. Et là, on est bien. Que va? Bah il est 1h du matin, ça fait déjà 3h11 de stream là. Je vais m'enfuir, et puis je vais aller me coucher, parce que demain je dois me lever tôt. Je dois me lever à 9h, donc là ça va être chaud. Parce qu'il faut que je mange un truc. Et voilà. Donc ça craint, ça craint. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à demain à partir de 22h pour la suite du jeu. Donc ça m'a bien plu, vous inquiétez pas, je vais continuer le jeu. Pour l'instant c'est bon, j'ai survécu. J'ai survécu au début, tout va bien. Tout va bien, le système de combat je pense que je vais rager contre les boss. Mais ça, on verra. Et donc à bientôt, à demain pour la suite du jeu. Et puis bah sinon à la semaine prochaine pour ceux qui seront pas là demain. Des bisous, merci d'avoir été là avec moi ce soir. Mince, attendez, j'ai oublié un truc. J'avais pas ouvert le Tipeee. Du coup je pense pas que ça sera à jour. Je voulais dire merci aux gens. Mince. Ah bah si, c'est bon. Merci à Frozen Teach qui a offert un sub macabre. Merci à Néant qui nous a rejoint. Merci à Umbre. Merci à Loutre Dissidente. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi. Tout le monde n'est pas noté. Merci à Arcoasis pour le don. Et puis merci à Saren, Louvre Omega, Rack et Orzov qui ont resub. Voilà, je peux m'enfuir, ça y est. Et merci à Freders. Des bisous. À bientôt. Au revoir.